悲しく終わりなきゃ悲しみ。Thank you.
Alors, pour la dédicace, la voici. Bon, après cette chanson, on va du coup pouvoir reprendre le game. On place au game. Alors, voici le jeu en question. Re-Dragon. Alors, je vais donc rappeler. Alors, Roger, c'est vrai. Ah, compatible là, l'absence de... Ah bah ça discute bien, je vois. Hein? On va couper l'appel et voilà. Ah, siffler comme un pinson. Allez, c'est parti, les petits. Et voilà. Donc, on laisse la musique se terminer. Alors, le plus chiant, c'est que du coup, on va être décalé par rapport à la musique. Hein, si on siffle. Alors. Allez, oui, ça passe. Espagnol, c'est bon. Alors, deux secondes, parce que du coup, je vais régler un peu le mélangeur de volume. Voilà. Je réduis donc la musique hein, de Tales of. Hein. Oh, quel dommage, elle est tellement bien. Ah oui, elle est tellement bien, ça c'est clair. Non, non celle-là, je... Voilà, j'ai pas dit. Comme diraient les jeunes, tu peux pas test. Voilà. La musique pour les fans. Hop. D'ailleurs, ce qui me surprend, c'est que... Dans l'image qu'ils ont choisi pour la vidéo de cette vidéo, en fait, ils ont pris l'image de Mint, enfin de Colette, alors que la musique vient originellement de Tales of Phantasia. Donc oui, mais si tu prends en compte que leur orchestration a été plutôt faite pour Tales of Symphonia. Voilà, c'est un peu bizarre quand même. C'est plutôt ça, je pense, qu'il faut voir ici. Alors, je reviens. Bah, c'est ça, casse-toi, c'est maintenant qu'on est tous là. Oh, le mec, aucun respect, quoi. Ah oui, ça passe. Oh putain. Ah, c'est tellement bon, mon gars. Voilà. Alors, on t'entend que dalle, mon cher Yak. Ouais, c'est vrai qu'on t'entend très faible. On m'entend très faible. Un peu, ouais. Attends, tu veux, je sais pourquoi. En fait, il le sort de son cul, là, hein, tu vois. C'est... c'est le Dookie Style, ça. Hein? Pourquoi? Ah. Alors Yak, tu viens de prendre très cher là. Je dis, il le sort de son cul. Il y a mon collègue qui me fait, bah, c'est normal, il le range là où il y a de la place. Sympa. Désolé pour celui à qui ça s'adressait. C'était pas méchant. C'est ce qu'ils disent tous. Il l'a pris. Tu l'as pris très mal. Ça fait. Non mais du coup, c'est... tu dois y être habitué maintenant. Ça ne va pas te faire si mal que ça, je pense. Alors, je profite que là, on a deux secondes pour dire à Sam que moi aussi, en Fire Emblem, je suis d'aucune utilité sur le live. C'est pas l'intérêt, c'est qu'on se marre bien, c'est tout. après, si tu veux te barrer, libre à toi.
Alors, je vire tout ça, je vire tout ça, j'adore la prochaine fois quand tu appelles, pense à m'enlever de la conversation. Bah écoute, je te kick si tu veux, hein. Bah vas-y, hein, écoute, c'est une petite bombe. Voilà, faire comme celle, tu peux roter, tu peux péter, y'a pas de problème. Voilà, tu vois, ouais. Y'a qu'à demander. Oh là 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 là. Alors, supprimer les contacts, oui, ça me paraît bien. Mais tu peux quitter la conversation de toi-même, normalement, il n'y a pas de... Je vois que Nakim n'apprécie pas forcément notre humour et il a raison. Je tiens à le dire, il a raison. Bon, en tout cas, c'est parti, c'est encore sur la manette noire. Non, Senseiya, oh là là, je suis déçu. Senseiya, Pegasasu no Yomi, Senseiya. Oui, c'est là qu'on se rend compte que le capitaine est vieux, il aime Senseiya. Ah mais, tout le monde aime Senseiya. Je me rends compte que tu chantes mieux que Jade au Oui, voilà. Je vais pas le faire parce que... Ben parce que j'ai pas envie. Parce que d'une... Je vous emmerde. Et ça, ça je le dirai pas. Voilà, bon alors, là, oui, j'étais en... On s'était arrêté là. Alors pas vraiment en fait. Voilà. J'ai continué un peu, je me souviens pas de tout ça moi. Alors voilà, donc j'ai continué un peu, j'ai monté les persos de niveau 20. Enfin certains en tout cas. Et en fait... Mais vous allez voir ces stats, c'est monstrueux. Donc voilà, j'ai monté les persos niveau 20 uniquement comme ça, gratuitement. C'était rapide, c'était efficace et pas cher. Je les ai fait à l'arène. Et en fait, voilà, Vanessa a fini avec 20 forces, technique, vitesse. Voilà, ça s'est fait. Alors, donc ça c'est le premier perso. Parce que, attendez, c'est pas fini. Voilà notre épéiste, donc avec 37 points de vie, 20 forces, 20 techniques, 20 vitesse. Voilà, c'est gratuit, hein. J'ai absolument rien manipulé. Et voici notre pirate avec 20 de force, 15 de technique, 17 pirate, de vitesse. C'est moi ça. Voilà, le pirate, c'est Ras, c'est Captain. Voilà, donc ça donne à peu près ça, les stats, c'est monstrueux. Oh. Voilà, mais c'est des bourrins tes trucs. Voilà un moine avec 18 de magie, 16 de technique, 17 de vitesse, 17 de res, pas de soucis, 31 points de vie. Je suis d'accord avec ça, ça fait une perso cheatée tout ça. Hein. Ah, mais c'est complètement cheaté là, c'est complètement cheaté. Ah, c'est magique. Hein. J'ai monté Colm, bon voilà, Colm, il est pas super bon, mais voilà. Mais on va s'arrêter là, du coup, on va finir le combat. J'ai voilà. Une question, je vois le sprite de Colm, il cogne avec son sac d'objets ou. C'est un peu l'idée, ouais. Ah, c'est non. Bon ça. Non, c'est que comme ouais, c'est un voleur, du coup, tu le vois toujours en train de chaparder des trucs. Donc c'est pour ça qu'il est là. Ça, alors. Ça me plaît comme idée. Voilà, alors on va faire un peu. Hop, un peu de place. Voilà. Là, j'ai plus rien, j'ai plus de bâtons. Ok, j'ai les bâtons. Voilà. Oh, ça va être le. Voilà, ça va être le seul hein? Mec qui va. Il va approcher un ennemi, l'ennemi va se barrer en courant, quoi. Mais non, elle va pas être mauvaise. Alors, on va faire un petit combat à l'arène. Non, oh, 800 EQ. Alors là non, là je vais pas être vraiment cheaté là parce que c'est un perso qui est voilà, donc un match de feu contre un match de feu. Allez, c'est parti. On fait du 8 de dégâts lui 4. Ouais, ça devrait passer easy, y a pas de critique en face, pas de problème. Allez, défonce-moi tout ça, on en parle plus. Voilà. En plus, il a beaucoup de chances de rater. Allez. Voilà, c'est fini. Au revoir les petits. Voilà, donc on va essayer de la monter niveau un petit peu parce que du coup c'est vrai que là elle est pas montée du tout. Hein. Et en plus quand tu gagnes comme ça tu gagnes du pognon en plus des niveaux mais c'est oui c'est... Alors oh, si vous... c'est archi cheaté ce truc. Alors si vous voulez savoir combien j'ai de thunes, hein, il faut que j'aille dans j'ai vu que t'en statut... as 100 000. Voilà, 133 770. Voilà. Bon voilà ah. Le mec qui va dans un magasin, je voudrais une épée légendaire s'il vous plaît. Ouais, ça fait 100 000 écus. Je peux vous les donner en tout de suite, hein, j'ai le liquide. J'ai l'espèce, hein, si vous voulez, y a pas de soucis. Voilà. N'est-ce pas? Oui, bah Yen, on l'entendra très très mal de toute façon tout le temps, quoi qu'il arrive. Donc, alors, tant qu'il bouffe déjà. Hein. Alors, normalement, je le tue. Voilà, oh, bon. Alors, j'ai risqué le diable quand même là parce que bon, je me prenais un coup après, j'étais mort. Ouais. Mais ça marche, écoute, ça passe. Mais c'est passé. Alors, magie technique, bon. À quoi sert la caractéristique technique précisément? Alors, à quoi sert la caractéristique technique? À être plus précis sur ses attaques, en fait, tout simplement. Et ça influe également sur les taux de critique. D'accord, ouais, c'est super utile, en fait. Voilà, toutes les stats sont super utiles. Hein. La vitesse, ça joue aussi sur le nombre de déplacements que tu peux faire, non? Non, la vitesse, ça joue sur le nombre d'attaques que tu peux faire par tour, voilà, par combat. Et ça joue aussi sur... En fait, il faut avoir plus 4 par rapport à ton adversaire. Mais il y a autre chose qui joue sur ta vitesse. C'est-à-dire que c'est ton objet. Par exemple, on va prendre Ross, d'accord? Ross possède maintenant une hache de fer, voilà. Mm-hmm. Et il a également une hache d'acier, qui fait 15 de poids. Donc on voit le poids qui est à 15. Mm-hmm. Il a une constitution de 10. C'est-à-dire que si je lui mets la hache
la hache qui est à 15 de poids, il va perdre en fait. Ça va le ralentir. Ça va le ralentir. Et ça va le ralentir la différence entre le poids de l'arme et de sa constitution. Ce qui voudrait dire qu'en fait, si je le mets avec la hache acier, qui est quand même bien plus puissante, il serait à 12 de vitesse. D'accord. Ce qui est quand même une grosse perte. Ouais, ça fait quand même une sacrée perte, surtout que la statistique maximum est de 20. Voilà, et en sachant qu'on gagnerait, de 8 à 11 de force. Enfin voilà, on gagnerait 3 points de puissance. Ça vaut pas le coup, quoi. Est-ce que ça vaut le coup entre taper 2 fois et taper à 3 de dégâts de plus? Bon, sur certains mobs, je dis pas, parce que bon, on sait jamais. Uh-huh. Mais le problème, c'est qu'on peut, si on se retrouve contre des Pégases, qu'on. Aussi des armes plus faibles, tu les gardes justement pour l'usure de, pour garder l'usure des armes ou... Voilà, alors bon, ça c'est une arme utile parce qu'en fait, c'est une arme qui est très précise. Mmh. Qui possède un poids très faible, donc qui est très très efficace pour les nouvelles unités qu'on peut faire monter. Et ouais. En plus de ça, qui tape à distance. Donc c'est pour ça que je la garde, parce que si jamais si j'ai besoin de monter un autre combattant, je pourrais lui mettre cette arme-là. Elle est pas puissante, mais au moins elle permet de bien toucher, quoi. C'est l'avantage. Donc voilà. Je suis formé à Fire Emblem. C'est là qu'on voit que je suis un gros ignorant. Et rebonsoir Kleska quand même au cas où. Voilà. Donc, j'espère qu'on passe pas que pour des gros connards. C'est ça. Bon, alors, un coup à 14. Oh là là. Fais-toi violer. C'est gratuit. Et bim, on en parle. Donc les mercenaires ont pas de résistance, hein. C'est pour ça qu'ils se font violer la race. Ah non, mais c'est violent, quoi. Mais le mieux, ça reste encore de frapper des bandits. Ils frappent très fort, mais ils frappent pas du tout. C'est-à-dire qu'ils ont très peu de chances de vous toucher, donc c'est super sympa de jouer contre eux. Niveau d'armes, qu'est-ce que c'est? Alors, le niveau d'armes influe sur les équipements que tu peux utiliser. Comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, la hache de fer... En gros, plus ton niveau d'armes est élevé, plus tu utilises des armes... Des armes puissantes, voilà. L'arme, ici, on voit le rang de l'arme qui est HE. Si on va donc sur la hache d'acier, on reste toujours sur du E. Bon, malheureusement, on va pas retrouver un truc... C'est au début aussi du jeu, quoi. Voilà, alors peut-être que si je trouverais sur Joshua, peut-être. Sur Joshua, je crois que j'ai une arme de rang D, qui est le fer létal en C même. Ouais, voilà, d'accord. Donc voilà, pour qu'il puisse la maîtriser, en fait, il faut que son niveau de compétence soit au moins de C. Bon, il est déjà A parce qu'il est allé à l'arène. Donc forcément, tous mes persos sont quasiment max. Hein, A, bon là, voilà, A, B, bon, bah, il a pas réussi à monter jusqu'au max. Arthur, voilà. Donc au bout d'un moment, oui, tout à fait, il y a un Excalibur, mais je crois pas qu'il le maîtrise malheureusement. Parce que la magie d'Excalibur, c'est la magie d'Anima. Alors pour le faire utiliser la magie d'Anima, il faudra qu'il le passe en sage, et je sais pas si c'est possible. Si c'est possible, je crois. C'est des conneries hein, que je dis après. Non, mais il peut passer sage, et s'il passe sage, malheureusement, bah il peut également utiliser... Bah, voilà, après il manque un H. Mais bon, est-ce que c'est très important? La question est là. Alors je vais éviter ce combat à 860, parce qu'en général c'est des combats de badass. Voilà, un combat à 700, c'est très bien. Est-ce que je peux accélérer sur sur cet émulateur? Non, je peux pas accélérer à la vitesse. Ah, si, sur Visual Ball, normalement, si tu peux. Alors, je sais plus comment on fait, mais je crois que c'est possible. Pour l'avoir fait dans certains Harvest Moon, c'était bien pratique. Alors, c'est pas Tab, c'est pas Control, c'est pas Alt. Sinon, tu sais, t'as des tools et tout ça. Alors. Il me semble que c'est possible. Hop là, option, émulateur. Non, peut-être dans Joypad. Configure un speed. Ah, d'accord, je l'ai mis en. Ok, d'accord, je l'ai mis sur ma manette directement. Ah, bah tu vois, en plus. Ça va être pratique. Ouais, oui. Je te dis, moi je le faisais pour quand je devais restaurer ma stamina dans les sources chaudes, histoire que ça aille plus. Oula, là c'est. Ah, oui, ça va super vite. Hein. Oula, c'était caca là, j'ai failli mourir. Ouais, c'était chaud là. Vitesse, chance, défense. Moi, elle a pris de la défense. C'est ouf. J'adore ce perso. Ah, alors. Attendez, je crois qu'il y a un truc que j'ai peut-être pas pris. Non, je l'ai pris. Il est sur qui? Sur qui est-il? Le bouclier. Ah, peut-être je l'ai rangé. Alors, convoi. Hop, prendre. Ouais, voilà, j'ai rangé le pur bouclier. À quoi il sert celui-là? C'est un truc. Alors, ce sont des objets. C'est des objets qui te permettent d'augmenter tes statistiques de plus 2 en fonction de l'item. Le tome secret va te rajouter 2 de technique et le pur bouclier 2 de défense. Ah, ouais, donc c'est pratique de les donner à ceux qui veulent aller à l'arène, quoi. Voilà, pas ceux qui vont aller à l'arène, mais ceux qui ont peu de défense comme les magiciens. La technique, on va lui monter comme ça, elle sera à 9 aussi. Mais voilà. Voilà. Parce que bon, la technique, lui, il s'en fiche, il sera au max au bout d'un moment. Lui, il est déjà max. Lui, il est quasiment max. Voilà, il y a des persos, tu fais bon. Lui, c'est une de ses meilleures stats, donc on va la mettre sur Lut. Voilà, on va soigner. Hop, voilà. Alors, échange.
attendre, hop. Alors, objets, par contre, on peut les utiliser qu'un par un. Et t'auras porté combien d'objets dans ton... On peut porter 5 objets et sur chaque personne on peut porter 5. Et en tout on peut avoir 100 objets, 100 objets de stock dans le... Sans objets, sans... Avec ou sans objets? Avec ou sans objets? Voilà, on peut en avoir jusqu'à 100. Alors, un combattant à l'âge de fer. Donc en fait, depuis on va dire depuis une semaine, c'est ce que tu fais quoi. Oh merde, voilà. Bon, j'ai perdu mon perso, génial. Alors, elle était où ma save state d'avant? Oh non, le truc horrible ça. Bah sinon, tu as autant de reset le jeu directement. Hein, voilà, non, que... non, c'est bon, parce qu'en fait, la save state, voilà, bon. Elle était juste avant, c'est... voilà. Bon, à la rigueur, hop là. Si on va la faire monter, on va la faire prendre son niveau là, son petit niveau de tout à l'heure là. Échange, non, faut que j'aille dans le convoi. Prendre, tome secret, pierre au bouclier, échange. Clac. À quoi sert le rugby? C'est un truc pour gagner du blé? Ouais, ou c'est ça... bon, c'est 5000 par rapport à mes 135 000. Non, mais c'est pas, je pose des questions. Ouais, voilà. Je connais rien. Oh merde, non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est le but, c'est de découvrir. Voilà, le but c'est de découvrir. Hein. Alors, hop, alors objet, pyro bouclier, utiliser. Donc, tu vois, moi, je fais partie des gens, du coup, quand je ne sais pas, je pose des questions. bah, tu fais bien, j'aime bien, moi j'aime bien. Parce que même moi aussi, je connais pas Fire Emblem, et j'y joue jamais. Donc... Alors, donc là, on va faire une CIT histoire de pas crever quand même comme un gros bâtard. C'est pas une série qui m'a attiré tant que ça en fait dès le début. Donc, pareil. C'est exactement pareil. Pourtant, c'est un très très bon jeu. Hein. Vraiment, les Tactics, ouais, moi comme je disais, les Tactics, bon, j'ai joué à Final Fantasy Tactics, j'ai commencé celui sur Game Boy Advance, je l'ai jamais fini. Qui pourtant est pas mal du tout. On voit que les stats ont changé, là j'ai pris points de vie, vitesse, chance et défense. Bon, mais c'est très bien que. 4 trucs quand même. Quoi. J'ai pris 4 trucs, ce qui est mieux. Du coup. Ouais. Donc, du coup, on va achever le boss avec Erika, non, peut-être avec le mage. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? En sachant que c'était élégant ça. En sachant que j'ai 3 persos qui sont pas level max. Ah, ça sent que j'ai japonais jusqu'ici. Ah voilà. En sachant que j'ai 3 persos qui sont pas level max et que Naomi c'est pas particulièrement une unité que je vais faire monter. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah voilà. Dark Metamorphosis. Mais Dark Metamorphosis. Alors, donc là on voit donc le détail des attaques. Alors, on voit que je fais du 13 de dégâts sur du 3 de défense. Donc la défense là pour le coup c'est sa res, hein. C'est sa résistance. Hein, voilà, quand c'est des dégâts magiques ça joue sur la res, dégâts physiques sur la défense physique, c'est normal. Mais bon, sur le truc ça s'appelle la défense quand même parce que c'est sa défense. Hein. C'est la défense contre l'attaque que tu vas lui faire. Voilà, c'est la défense contre la magie, simplement. Hein. C'est la défense contre les dommages faits en fait. Voilà, et voilà, donc lui on le voit, s'il me renvoie des dégâts, il me fait du 17, moins 6, donc du 11 de dégâts. Donc je prends très cher. Donc ce qu'on va faire, on va faire la technique. Je l'ai pas vu, mais la magie, tu peux l'esquiver ou pas? La magie, tu peux. Oui, tu peux tout esquiver, ouais, tu peux bien sûr, tu peux esquiver la magie. Et parce que dans certains jeux de rôle, c'est vrai que la magie, c'est un peu le cheaté. Je parlais la dernière fois en Tactics de Vandal Hearts où j'ai recommencé une partie. T'as un magicien. Non, t'es golden au contraire, parce que c'est... personne peut esquiver tes sorts. Quoi. Voilà, donc là on le voit. Alors. En face. Oui, voilà. C'est alors, ça. J'ai viré les animations, je vais peut-être vous les mettre quand même. Parce que bon, c'était plus rapide. On va mettre les animations. Hop là, rapide. On va remettre le général. Parce que bon, le détail, c'est vrai que c'est... Moi j'aime bien jouer avec le détail, mais là au moins vous allez voir vraiment. Voilà, on fait du 10 de dégâts, on s'en prend 11, on tape deux fois la précision, etc. On n'a pas tout ce qui est système de vitesse, on n'a pas tout ça qui nous explique qu'en gros on a plus de vitesse, etc. Donc là, il y a des paramètres en moins, mais c'est au choix en fait. Là, c'est vraiment simplifié en fait. Hein, moi ça me gêne pas d'avoir le détail après. Parce qu'en fait, l'avantage de connaître un peu les statistiques de vitesse quand vous attaquez. Oula merde, j'ai changé de la page. Enfin, exprès. C'est qu'en gros, vous allez pouvoir savoir s'il y a un autre perso qui va vous se ramener sur votre gueule, que vous connaissez la vitesse d'un autre allié qui est à côté. Vous allez voir, bah voilà, il a plus de vitesse que moi, mais il a plus de poids. Voilà. Donc, c'est vraiment tactiquement parlant, c'est mieux de jouer en détail. Après, c'est pas nécessaire. Enfin, en même temps, les persos Dwak. Dwak sont tous cheatés. World. Oui, de toute manière, la vitesse est prise en compte dans la précision et les coups doubles. Voilà, donc dans tous les cas, là, on va l'achever à 100% de précision. Hein. Rien à fiche. Wow, ouais. Les persos de Dwak, je sais pas, je pense que c'est peut-être lié aux persos de base, ceux qui ont 50 niveaux au lieu de 40. Ah, The Awakening, oui. The Awakening, d'accord. Ah, mais ça c'est Awakening, ça c'est, oui, c'est complètement what the fuck. Hein. Les persos de Awakening, de toute façon, tu peux les reset à l'infini, c'est pas un problème.
tu leur mets des sauts Solaris, tu les achètes à gogo et puis basta. C'était moins une. Bah, c'était moins une, oui, je suis niveau 20, j'ai poutré le boss en 2-2, mais c'était moins une. En effet, merci infiniment. Voilà. J'ai failli mourir. J'ai failli mourir, je me suis cassé un ongle, vous vous rendez pas compte. C'est un peu vous êtes crado, non? Vous êtes crado, non? Mais voilà. Ah, j'ai failli la faire, tu m'as grillé là. Désolé. Bon. Ah, de bouffer là. Ah, ça sent le truc qui croustille, là. Ça sent les chips. Non, c'est des frites, mais ouais, c'est presque des chips. Bah, du coup, j'étais pas loin, ça marche presque. Oui, je m'appelle Natacha, j'étais au service du peuple impérial de Grado. Qu'est-ce que tu fais, toi, t'es tout mouillé. Oui, mon chat revient d'un endroit étrange où il... Non, t'es tout mouillé, on veut pas savoir. On veut savoir ce que t'as fait. Un petit chat. Grado. Bon, alors voilà, on passe la... Grado, tout mouillé, c'est bon. On passe le blabla, et là, je récupère la sage bague. Donc... C'est une bague qui fait pas de conneries. C'est une bague qui fait pas de conneries, et surtout qui va nous faire évoluer une des unités. Ça va nous permettre de faire évoluer une unité. Vous y attendiez pas à celle-là? Pas du tout. Ça fait évoluer n'importe quelle unité ou... Alors, ça fait pas évoluer n'importe quelle unité, ça fait évoluer seulement les classes magiques. D'accord. Donc tous les objets attitrés à une classe pour les faire évoluer. Donc, c'est ça. Alors, il y a, il me semble, 5 objets d'évolution. Même un sixième qui est l'équivalent de tous les objets, qui est le magistère. Alors, il y a donc le saut pirate, normalement, si je dis pas de conneries. Non, il y a le saut à quoi. Donc, lui qui fait évoluer donc les pirates. Pirates. C'est même ton petit aide, hein. Voilà. Oh, mais voilà. C'est juste que du coup, c'est les noms que... Une bouteille de rhum, quoi, les gars. C'est les noms que j'ai pas exactement. Il y a le saut Ulan, je crois, qui fait évoluer les chevaliers. Hein, les chevaliers et les cavaliers, voilà. Il y a le fouet lisse qui fait évoluer les pégases et les archers. Les pévernes, voilà, et les wyvernes. La flèche d'Orion, voilà, c'est ça qui fait évoluer les archers. Il y a aussi le blason héros qui fait évoluer les combattants et les mercenaires. C'est le de retour. Et il y a le... Il y a encore un autre truc, je crois. Pour les épéistes, c'est quoi, c'est... Demande à ton coloc, il sait apparemment. Ouais. Ouais, voilà, c'est le blason héros qui fait aussi évoluer les épéistes. Et t'as raison qu'il est là, hein, ton coloc, mais... parce que sinon ça va la merde. Mais non, mais ça fait... Voilà, après, bon, si je les vois, je pourrais vous dire lesquels font quoi, mais... Se souvenir des noms, c'est surtout ça le problème. Parce qu'il y en a un certain nom, quand même. Bon. On va passer tous ces dialogues, hein. Et là, on se retrouve avec la partie des frames. Alors... On se retrouve avec la partie des frames, pourquoi? Parce qu'en fait on est reparti dans un chapitre bonus en fait. Le chapitre 5X qui est bonus mais qui est obligatoire, hein. C'est un peu con mais voilà. Et là en fait le principe c'est quand même de faire monter le Lord en fait. Parce que le Lord vous allez le récupérer plus tard. D'ailleurs on va prendre la partie des frames donc ce sera important de le monter. Donc ce qu'on va faire tout de suite c'est hop, on va récupérer les équipements d'une certaine personne. Pourquoi? Je ne vous le dis pas, hein. Mais on récupère ses équipements, c'est comme ça. Ah bon? Ouais, alors tout simplement parce qu'en fait, dans l'histoire, ce mec vous trahit, donc autant récupérer ses stuff. Oh l'enfoiré. Donc voilà, Tu peux pas le faire crever avant, genre ça poutre, ça contre ça? Non, malheureusement. Alors, pourtant, ça serait hyper logique et ça serait énorme que ça soit pris en compte. Tu peux pas le tuer, même si tu le tues, il reviendra forcément en tant qu'ennemi. Voilà, donc on a deux objets, donc la lance acier et la regen life. Alors il faut savoir que ce perso a 10 de constitution, je crois de base, non 8, donc il perd déjà de base des stats par rapport à son arme. Mais ce qu'on peut faire, c'est, je crois qu'on peut lui mettre pas un javelot, mais une lance de fer. Non, il n'y a pas de lance de fer, c'est incroyable. On va le laisser à la regen life de toute façon, c'est la meilleure arme qu'il a, hein. Ça me dit quelque chose ce nom, ouais. La regen life. Ouais. Life étant, je crois, si je ne dis pas de bêtises, hein. Il vient d'un autre, enfin Leif vient d'un autre Fire Emblem. Raison de plus pour le tuer. Bah ben, on peut pas, malheureusement, on ne peut pas le tuer. Tu vois, il y a des gens, ils sont comme moi, ils essaient de réfléchir et ils se disent mais on a qu'à le buter, problème solved quoi. Ouais mais non, malheureusement c'est pas possible. Ils ont tout prévu, c'est logique en même temps, voilà, que tu puisses pas le supprimer. Sinon ça, on va voir, ils ont pu faire une histoire alternative. Ah oui, ça aurait presque pu faire une histoire alternative sans que tu le saches quoi. Oui c'est sûr.
Après, il y, ouais. y a des secrets pour récupérer. Oui, c'est un machin, voilà, Christelle a raison, la Regin Life, c'est probablement une arme mythologique, mais je sais plus d'où elle vient. La Regin Life, je sais pas. Parce que mythologie nordique, je pense pas. Non, ça, si ça m'étonnerait aussi. Mal, même si ça se rapproche de nom nordique, mais bon. Bon, voilà. Du coup, ça va être assez long parce que le temps de buter tous ces mobs, ça va être trop long. Pire, Google est ton ami. Alors, est-ce que j'ai perdu du point de vie, moi? Ouais. Je peux pas, il faudrait que je tende mes bras jusqu'au clavier. Alors, voilà le voilà la force de la Regin Life. Donc, regardez la Regin Life. Oh, vous la voyez, puissance. Elle brille, elle brille. Alors, vous voyez pourquoi elle brille? En fait, elle brille parce qu'elle est efficace contre certains types de d'adversaires. Alors, je vais faire un petit B. Voilà, ponche. Il n'y a pas de problème. Tout va bien. Normal. Posé, pépère. Hop là. Donc là, normalement, ils vont continuer d'attaquer comme un gros bourrin, ce mec, voilà. Alors, il faut savoir, Captain, que si tu connais pas les Fire Emblem, qu'il y a il y a le système des triangles d'armes. Qui est instauré dans ce Fire Emblem, et dans tous, d'ailleurs. Voilà. Alors, effectivement, pour ceux qui veulent faire la minute culturelle, voilà, qui Stélian aussi l'a trouvé, c'est le nom d'une des 9 Valkyries au service d'Odin. D'accord. Mais voilà, donc Captain, je te disais du coup qu'il y avait le système de puissance d'armes, de trio des armes. Et le trio des armes, c'est quoi? C'est qu'en gros, la lance sera efficace contre l'épée sera efficace contre la hache, et la hache sera efficace contre la lance. Donc ça fait vraiment un cercle de trio d'armes. Et en oui, gros, c'est toujours pareil dans les tactiques. Voilà, en gros, un système de ce genre-là. Oui, c'est ça. Il y a toujours eu comme ça. Et dans celui-là, en fait, le fait d'avoir une arme supplémentaire, une arme forte contre une autre, ça va vous donner plus 1 de dégâts contre, ouais. contre l'adversaire, ouais. moins 1 de dégâts contre vous, et 20% de précision en plus, et 20% d'esquive supplémentaire. Oh punaise, ça vaut vraiment le coup, quoi. Donc ouais, jouer sur cette stratégie-là, c'est vraiment très très intéressant. Ouais, voilà, je rejoins très 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 fortement... Yen qui vient de dire que c'était un truc de cochon, c'est un peu ça. Ouais. Ah, c'est clairement un truc de cochon. Et le pire, c'est que dans Fire Emblem Awakening, une fois que t'as ton perso principal, que tu l'as passé dans 5 classes différentes, tu deviens imbutable. On croirait la classe de héros dans Dragon Quest VI, tu vois, où une fois que t'as dépassé la classe de héros. Mais... Alors, que je vous explique voilà. Un peu dans Fire Emblem. Classe qui vous permettent d'obtenir des anti-tomes en fait, des capacités spéciales anti-armes. Et vous avez donc l'anti-tome, donc qui vous donne plus 50% d'esquive contre ces mobs, et plus 50% pour vous de précision contre ces mecs là. Et pareil pour la lance, la hache, l'épée et l'arc. Donc si vous équipez ça, que vous avez vitesse max, que vous êtes dans votre classe de base, et bah voilà, vous esquivez tout, y'a pas de problème. Good dear, quoi. Voilà, c'est coucou, et en plus vous ratez plus jamais du coup, c'est complètement what the fuck. Y'a que contre les attaques spéciales comme les attaques de dragon ou autres que vous êtes vulnérable. Oh putain. Y'a pas un anti quelque chose pour ça hein? Y'a rien pour ça, non, y'a rien, malheureusement. Tu peux pas passer. Tu peux pas. Quel nul. Non, un anti-S, c'est anti-vitesse. Oh là là. Moi 50% contre les voleurs. Ah, je te jure. Ah non, ça c'est... Non, ça on peut pas. Vraiment, ça on peut pas. Alors, attaquer, voilà. On va lui poutrer sa gueule. Ouais. Alors lui, il fait 9 du dégât, voilà. Donc là, on le voit, ma précision a bien baissé par rapport à tout à l'heure. Elle est à 76, contrairement à du 100 tout à l'heure. C'est complètement normal. Juste que je vois Kleska qui nous dit que dans FF War of the Lions, il n'y a pas de système pour les armes. Il y a un équivalent avec les signes du Zodiac. Il me semble que certains signes sont plus forts que d'autres. Ouais. Et moi, après, l'expérience que j'ai dans Vandal Hearts, c'est pareil. On a les épées qui sont supérieures sur les magiciens sont supérieurs sur tout ce qui est de classe dragon, tout ça. Les arcs qui sont supérieurs aux épées, et les lances, donc les chevaliers ailés, qui sont supérieurs à tout ce qui est unité à pied avec une épée. Or la tête en fait. Un peu tout quoi, mais voilà, on vient de choper une des lances les plus puissantes du jeu aussi pour le début directement. Voilà, améliore taux de critique de base de 30, hein. Bon voilà.
Coucou, c'est moi, voilà. De base, on voit la Regen Life, elle est à 10, normalement. Si j'ai pas de conneries. Elle est à 10. Donc voilà, on passerait à... allez, 34 de critique, normal. Hein, voilà. Donc une chance sur 3 de faire un critique, y a pas de souci. Ouais, easy, quoi. Hein, comme dit le slogan de McDonald's, hein, venez comme vous êtes. C'est gratuit, les gars. C'est gratuit, les gars, allez, posez. Les armes létales, c'est vraiment violent. C'est ouais, vraiment c'est très violent. Bah, c'est tout dans le titre, hein, j'ai envie de dire. Ouais, voilà, c'est létal, vraiment. C'est la mort. La mort qui a pris forme, tu vois, c'est un peu ça. Alors, on va protéger notre héros quand même, parce que là, je pense que je sais pas combien de dégâts me fait l'autre. J'ai pas regardé du coup, mais. Il tape du combien? Il tape du 15. Il tape du 15 sur du 7 de défense, il tape du 8, donc ouais, il me tuait pas, mais bon. Mais c'est normal d'avoir telles armes, bah ouais. Apparemment, puisque tu les trouves dans les coffres, écoute. Donc, oui, voilà, c'est complètement normal de les trouver maintenant. Hein. On n'en chope pas énormément, et ben heureusement, dis donc, parce que t'imagines. Alors, on va faire une save state parce que j'ai envie de le tuer avec cette arme quand même. Voilà. Histoire d'être sûr de pas crever. Alors là, ici, les élixirs, ils sont faits pour une seule chose, pour pouvoir vous permettre de jouer uniquement avec Ephraim. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir. Ah bon ? Parce qu'en fait, le truc, c'est que Ephraim, c'est votre héros, en fait. C'est vraiment le perso que s'il crève, c'est fini, quoi. D'accord, donc il vaut mieux lui faire... Donc voilà, le mieux, c'est de pouvoir quand même le monter. Alors après, il y en a certains qui montent quand même les autres persos. Bon. Faut savoir que dans ce jeu-là, on peut monter toutes ses unités niveau 20. Ouais. Parce qu'il va y avoir des ce qu'on appelle la tour de Vanny. Qui est une tour supplémentaire dans laquelle, si vous y allez directement, vous pouvez récupérer des objets qui sont vraiment très très intéressants. Mm-hmm. Et c'est une tour qui se fait en plusieurs étages. C'est genre la tour de Galamine. Ah, c'est cheaté ça aussi, non ? C'est complètement violent. Je sais pas. Voilà. Advance War, où du coup là, pour le coup, vous n'avez pas. La riposte est moins forte que si c'est vous qui attaquez. Oui. Et où là, c'est vraiment très intéressant d'attaquer. Il y a d'autres jeux aussi dans lesquels vous ripostez même pas. Bah, tu vois, par exemple, pour reciter Vandalars, qui est vraiment celui que je maîtrise le mieux et que j'ai retourné de temps en temps, la riposte fait les mêmes dégâts qu'une attaque classique. Voilà, bah là c'est pareil. Le seul point de vue, c'est que est-ce que tu gagnes des bonus en fonction de l'orientation de ton unité ? Pas du tout, là il n'y a pas de. Alors que voilà, dans Vandalars, c'est logique si tu attaques une unité. De dos, tu as un bonus de dégâts. Si tu l'attaques de côté, t'en as un faible. Et si tu as des unités autour de toi en support, quand tu te fais attaquer, tu as un bonus de défense. Alors, il y a un peu ce principe qui est pris dans FFTA 2, donc Final Fantasy Tactics Advance 2. Oui, sur EDS. Voilà. Mm-hmm. Je crois qu'il est également sur GBA d'ailleurs. Ouais, sur GBA, il était plus tôt. Voilà, mais il est sur les deux en fait. De toute façon, il est sur les deux. Mais il faut savoir que... Le Grimoire of the Rift, il était uniquement sur DS. Le Final Fantasy Tactics ? Ouais. Advance ? Non, enfin le premier ? Le Advance 2 était... Ah non, je parlais du Advance 2 du coup. Ah oui, le Advance 2, oui, il est forcément non, mais sur le deuxième qui est sorti, oui, c'était sur GBA, c'était ouais, le... Mm-hmm. Ouais, c'est le premier du nom, hein, d'ailleurs. Non, le premier était sur PlayStation. C'était un remake alors, celui sur... Celui sur PSP qui s'appelle War of the Lions est un remake du premier. D'accord. Ouais, exactement. Alors. Qui est disponible sur portable maintenant. Donc voilà, donc là regardez, on voit 1, 2, 3, 4. Donc les chevaliers ils n'ont pas de déplacement, par contre ils ont une grosse défense en général. Voilà, 10 de défense. En même temps, t'as vu la tronche de l'armure qui se porte quoi. C'est ça. Alors vous allez regarder, mais en fait l'intérieur de son armure lui permet de se servir de bouclier. Regardez. Il va s'en servir, hop, comme bouclier. Oh. Ah ouais, d'accord. Ah putain, c'est génial ça. Et ça, c'est un truc qu'on remarque pas forcément quand on joue au jeu. Oh là là, c'est super, mais c'est super bien pensé, n'empêche. Malade, c'est pas possible. Ouais, c'est assez ouf en fait. Et en fait, cette chance, vous pouvez la manipuler, tout simplement, comme les critiques d'ailleurs. Ah. Voilà, je mange mes chips. Vous pouvez la manipuler en fait, tout simplement, en déplaçant le curseur, en resetant avec la gâchette L1, mm-hmm. En faisant comme ça en fait. Vous pouvez resetter en fait la RNG pour déterminer une nouvelle seed, ce qu'on appelle. Donc une nouvelle, oui, une nouvelle graine, voilà. Une nouvelle base de calcul, quoi. C'est ça, une nouvelle base de calcul pour éviter les attaques plus facilement, provoquer plus facilement des critiques, etc. Et également manipuler les stats que vous allez prendre. Alors dans le TAS, qui fait d'ailleurs magnifiquement bien, qui doit être fini en 40 minutes, le taser utilise ça tout le temps. Et il fait en sorte de prendre que les stats dont il a besoin parce que ça prend plus de temps d'afficher plus de stats
Et même que des fois, il a pas tellement envie de... Par exemple, il a pas besoin de forcément d'avoir tout le temps de la défense. Pour la simple bonne raison que s'il peut l'esquiver, bah il le fera. Oui, ce sera... À quoi ça sert de se défendre si de toute façon, tu te fais pas toucher, quoi. C'est ça. Donc voilà. Donc c'est toujours assez ouf, quoi. Donc là, voilà, on le voit. Hein. Voilà, coup critique. Donc là, vous voyez, j'ai fait un coup critique à 3% encore. Bah, tout ça parce que... Bah, peut-être que ça a joué le fait que j'ai fait le... Quoi ? Voilà. Doki qui est revenu. Voilà. Hop. On se déplace là. Regardez. Peut-être que je vais esquiver l'attaque. Je l'ai pas esquivé. Mais bon. C'est pas grave. Il va se faire déglinguer. Il va se faire exploser la tronche. Défoncer. Niveau de maîtrise amélioré. Tout à fait. Alors là. Mais je vais pas le laisser venir sans rien faire. C'est-à-dire que je vais m'équiper d'un javelot. Javelot. Essayer de poutrer de la distance. Voilà. Javelot qui a un poids de 11. Donc je vais perdre 3 de vitesse. Sauf que je vais lui poutrer sa gueule parce que je crois qu'il a. Voilà. 3 de vitesse. Donc je vais lui éclater sa face. Comme il va m'attaquer à distance automatiquement, bah, il va prendre des dégâts. Ça quand même c'est bien pensé. Hein. C'est très logique. C'est très très logique en fait. Ouais, ouais, c'est logique, mais tu vois, la première fois que tu joues, tu vas pas forcément y penser. Tu n'auras pas compris forcément toutes les subtilités. Bien sûr que non, tu peux pas tout comprendre. Ah, regarde, là il a pris un niveau classique. Voilà. Alors le jeu c'est Fire Emblem, ouais, voilà. Voilà, il a pris que deux. Donc là, on regarde en fait. Là, c'est ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, le déplacement de cette unité, par exemple. Vous le voyez, cette unité-là, en fait, elle peut pas aller jusque-là. Normal, il y a 2, 4, 6 cases. Toutes les unités de base, elles possèdent que 5 cases de déplacement au maximum. D'accord. Sauf les voleurs qui en possèdent 6. Mais ça, c'est une unité un peu particulière. Bah, c'est normal, les voleurs sont censés être plus mobiles, quoi. C'est ça, c'est ce qui est logique. Voilà. Donc voilà, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut regarder un peu les dégâts que fait cette unité. Parce que là, je sais pas s'il y a un javelot, mais s'il y a pas de javelot, normalement, personne peut m'attaquer. Personne ne peut m'attaquer à côté. Peut-être lui. Non, il pourra pas m'attaquer. Donc là, on va regarder combien de dégâts fait cette unité. Cette unité fait 6 de dégâts. Donc je vais prendre du 1 de dégâts. Donc là, ce qu'on va faire, on va carrément pouvoir l'attaquer directement. On va pas s'emmerder. Au travers du mur, peinard quoi. Voilà. Non, en fait, parce qu'ils sont en dessous, non ? Non, en fait, ils sont pas en dessous, mais. C'est vraiment ils sont à travers. Pas... En fait, si tu veux, ils balancent vraiment l'arme au-dessus, quoi. C'est... Mais voilà. Ça, c'est peut-être le. Genre le mec qui va lever la tronche. Oh, un javelot qui tombe. C'est peut-être le seul souci. Après, la magie traverse les murs, ça, évidemment, on peut se dire que. Mais bon... ça, c'est très logique, ça, par contre. C'est logique, mais les javelots. Enfin, logique autant que peut être logique la magie, quoi. Mais par contre, voilà. Le problème, c'est vraiment qu'on peut attaquer et se défendre même s'il y a un mur. C'est-à-dire que tant que vous avez voilà, tant que votre vision, elle est activée ici, bah, vous pouvez toucher. C'est peut-être le point négatif du jeu, quand même. D'accord. Alors, on regarde. Les deux unités me touchent pas au même point. Voilà, hein, on regarde. Ici, je vais sortir ma souris. Hop. Donc voilà, l'unité me touche ici. Celle-ci. Voilà. C'est celle-ci qui me touche voilà, jusqu'ici. Et celle-là, ça me touche un peu plus loin. Donc du coup, on va pouvoir avancer. T'as un gros débat là sur le chat entre Krista et. Mars, et... c'est le héros du 1, 3, 11 et 12. Voilà. Mais là, c'est Ephraim, le héros du 8. Qui dit que Krista qui dit qu'elle aime pas Marth et Doki qui dit qu'il aime Marth mais dans Smash Bros. Ah oui bah non mais Marth dans Smash Bros c'est vraiment moi, une unité complètement assez Doki ouais Marth dans Smash Bros il est vache mon gars. Enfin donc faut là... savoir l'utiliser au bout d'un moment mais une fois que tu sais faire. Oui voilà c'est comme pour tout personnage hein. Ça va quoi. Donc voilà on laisse nous attaquer voilà et là regardez du coup techniquement si j'étais parti je me serais fait toucher une première fois déjà. Mm-hmm. Si j'avais avancé trop, je me serais pris le dégât de l'archer derrière, qui aurait pu me toucher. Bah oui. Voilà, parce que lui peut tirer à distance. Donc du coup, ce qui est bien, c'est que du coup là, je bloque la ligne de vue. Et là, je peux le tuer tranquillement et je le tue et voilà, tranquille. Pépère. Ah bah voilà, j'ai raté mon attaque. Okay. C'est une chose qui arrive. Voilà, on finit par le tuer quand même. Pépère. Moi aussi, Doki, j'adore Lucina, c'est même mon personnage, mon main dans le dernier Smash. Voilà, hop, un coup de javelot et c'est fini. Level up. Point de vie, force, chance, très bien. Alors ce qu'on va faire quand même, hop, voilà, on va récupérer les 3 potions, voilà, on va faire ça. Alors voilà, donc là, faut aussi savoir que Orson, c'est une unité qui est donc évoluée, c'est un paladin, et donc on va voir son déplacement, donc il a déjà ses deux stats AA, voilà, il peut monter à S après, quand on évolue, on peut avoir une maîtrise de rang S, donc qui nous permet notamment d'utiliser l'Excalibur, comment elle s'appelle déjà, la Gungnir. Voilà la lance légendaire d'Odin, hein, que tout le monde connaît bien de Final Fantasy. Et voilà. Puis de la mythologie nordique. Voilà, surtout, en fait. Et surtout de la mythologie nordique. Et voilà, on voit son déplacement. Là. C'est vrai que de toute façon, dès que tu vois Odin, il y a Gungnir qui est voilà. Pas loin. Voilà. Parce qu'en même temps, quand il parcourait le monde, c'est là-dessus qu'il s'appuyait aussi, quoi, ça lui servait de canne. Hein. Donc là, on peut voir sur cette unité qu'elle a 8 de mouvement, ce qui est plus
que ce qu'on a nous et que ce qu'ont les deux autres cavaliers, parce que tout simplement quand on évolue, en fait on gagne un mouvement automatiquement. Donc lorsque Ephraim va monter de niveau, il va gagner un mouvement. Il va pas vraiment gagner un mouvement parce que c'est une unité particulière qui évolue à cheval. Donc il va gagner deux de mouvements. C'est vraiment parce que c'est une unité particulière et que c'est un lord. Mais dans les précédents, les lords ils gagnaient qu'un seul de mouvement parce qu'ils restaient à pied. Enfin voilà. Donc ce qu'on va faire là, hop. On va aller récupérer, donc on va échanger. Hop. On va lui ramener les potions. Alcorson, parce que même s'il crève, je m'en fous. Comme ça, on sera tranquille. Voilà. Corson. C'est là qu'on voit que si tu veux. Moi, Orson, ça me rappelle le personnage de Desperate Housewives, quoi. C'est ça la référence. Voilà. Ah bah, c'est ça d'avoir une fille avec soi à la maison. Hein. Donc voilà, on récupère un peu de. Voilà. Hop, on les poutre en vitesse. On fait ça bien. Ah, t'as vu, il attaque dans le dos aussi. Ah, le sournois. Alors voilà, là on le voit tout de suite. Quand j'ai pas mon arme fétiche, hein, je fais beaucoup moins de dégâts sur les chevaliers. Hein. C'est assez normal quand t'as pas la. Voilà. Et pour par exemple ne pas se prendre de dégâts quand on n'est pas surtouché, voilà, on recule avec une lance, hein, tranquille. Voilà. Point de vie, chance 13. Voilà. Bon. Alors, maintenant, objet, potion, hop. Voilà, on va se soigner à fond et on va leur donner une potion pour aller taper les groupes qui sont un peu plus loin. Donc, la potion est moins efficace que l'élixir, c'est logique, je pense. Alors, l'élixir, ça rend tous les points de vie, en fait. Donc, c'est pour ça que je préfère utiliser, en fait, d'abord, donc solution puissante utilisée pour restaurer la totalité des points de vie. Donc, si vous avez 60 points de vie, vous resterez vos 60 points de vie. Il faut savoir que 60, c'est le max dans Fire Emblem. D'accord. C'est le max de points de vie en tant que première classe d'unité. Par contre, ou deuxième classe. Pas, il y a bien une limite d'utilisation de tes armes. Oui, tout à fait. Oui, c'est-à-dire que là, si j'utilise encore 3 fois mon arme et qu'elle touche, il faut par contre qu'elle touche. C'est différent pour la magie. Mais si les armes touchent, elles perdent un de durabilité. C'est d'accord, logiquement. Mais si elles touchent pas. Si elles touchent pas, pour les armes physiques, je précise, ouais. Une arme physique, si elle ne touche pas, elle garde sa résistabilité. D'accord, ok. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais par contre, si c'est de la magie, que vous utilisez la magie et que vous ratez, vous perdez un de magie. Ah. Donc ça c'est bien pensé parce que forcément si vous lancez un sort dans le vide il disparaît du tome. Eh, c'est comme ton javelot. Hein. Oui le javelot techniquement tu peux le ramasser. Si tu le balances dans la flotte non. Oui mais en général tu le balances jamais dans la flotte. Attends voilà. Je vais même aller plus loin que ça, c'est le javelot ce qui va s'user c'est la pointe. Si tu la plantes dans un caillou au bout d'un moment elle va s'user aussi vite quoi. Bah après si tu la lances en direction d'un ennemi généralement l'inclinaison est pas telle que ça va se planter dans le sol, potentiellement. Mais bon. Dans le corps, donc c'est bon, c'est pas abîmé. Voilà, c'est bon. J'ai ma chemise, mais c'est bon. Voilà, donc là on a perdu le javelot notamment. Hein. On le voit, on a perdu le javelot. Ah non, ça va. Mais ce qu'on peut faire, hop, on peut aller récupérer, il y a d'autres armes encore, hein, voilà, la lance létale notamment et les deux lances d'acier. Donc on a récupéré l'épée argent aussi, c'est une très bonne épée de rang A. C'est une des meilleures épées du jeu. Tu l'as dès le début du jeu. Et en fait, si tu penses pas à la récupérer, c'est Orson qui la garde en fait, parce que c'est lui qui l'a. C'est le seul à pouvoir maîtriser l'arme en fait au début. Parce que c'est le seul à avoir une maîtrise d'arme A en fait. C'est pour ça qu'il faut lui récupérer ses équipements, parce que l'épée vraiment c'est vraiment l'une des meilleures. Ah ça c'est dans tous les JDR que les jeux de rôle où tu as un personnage qui te trahit, tu récupères l'équipement quoi parce que. Ah bah oui. Mais quand tu le sais pas, tu sais pas. Ils sont tous cheatés à mort quoi ces mecs là. Très souvent. Donc, normalement là je suis bon. À 5 de case. Maintenant, quand tu recrutes un personnage, si tu recrutes un personnage, tu vois qu'il a un équipement de ouf, tu fais attends, cette pull arnax. Donc, point de vie, force, chance. Voilà. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Alors là, on peut faire un truc. Alors, il faut savoir que les mecs qui sont sur leur trône, ils ne bougeront jamais. C'est con, mais ils bougeront jamais. Mais genre, quand je dis jamais, c'est jamais. En plus de ça, normalement, lui, il a pas d'attaque à distance. Ouais, donc, si vous gardez le javelot, vous pouvez le poutrer avec le javelot tranquille. Ah oui, il y a une vraie tête de con par contre. Hein. Vas-y, tue cette traqueur. Ouais. Alors ce qu'on va faire d'abord, on va d'abord tuer cette unité. Alors, j'aime pas sa tête. On peut faire du 2 en 1. On peut faire du 2 en 1, regardez. Donc là on le voit qu'on le tape du 16 x 2. Donc on le tue hein, automatiquement. Pas forcément parce qu'on n'est pas si, très très précis. Mais ce qu'on va faire, on va tuer d'abord cette unité. Avec après, un coup. Avec le contre, c'est ça. Avec le contre, blah, ça va le tuer. Et on va directement pouvoir surenchérir sur la prise du trône si jamais ça fonctionne. Ok. Voilà, donc on a raté. C'est pas grave. Ah, on le réattaque nous-mêmes. Et voilà.
c'est fini. Et donc, on est passé niveau 15. Donc, on a pris toutes les stats, voilà. On a pris toutes les stats, sauf la res. Alors, c'est monstrueux, c'est monstrueux. Alors là, je crois qu'elle va m'en vouloir. Et on est pile niveau 14. Tout pile niveau 14. Alors, c'est quoi l'avantage d'être niveau 14 tout pile? Alors, il n'y a pas d'avantage à être tout pile niveau 14, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous jouez comme le, bah, si vous jouez le, du mieux que possible, vous ne pourrez jamais dépasser le niveau 14 avec cette unité. Ouais. Jamais. Vous pourrez dépasser le niveau, vous pourrez arriver jusqu'au niveau 15 si vous faites en sorte déjà d'esquiver les attaques, ou ouais, de faire en sorte que les mecs qui vous attaquent vous frappent du zéro et qui vous fassent gagner un point d'XP par un point d'XP. Je te hais. Voilà, c'est dit. Alors, sache que ce genre de montée de stats, ça m'arrive quasiment tout le temps. Hein. Oh, le mec, il a le cul bordé de nouilles. Alors, j'ai le cul bordé de nouilles. Attends, j'ai le cul bordé de nouilles, et en plus de ça, il y a la bolo qui va avec. C'est ça, moi je dis, nous on a une autre expérience, mais tu chies des pattes en continu, quoi. C'est clairement ça. C'est clairement ça. Nous avons sécurisé le château, blablabla. Bla, bla. Donc voilà. Et donc là, on vient de faire le chapitre 5X, cœur intact. Et on va faire la victime de guerre. Je crois que c'était ça le titre du chapitre, je sais plus. J'ai pas regardé. Pourtant, je te dis, Lucky, moi on me mettait dans le groupe des filles et j'étais quand même dans les trois derniers. Pour le jeu quoi là? Voilà, victime de guerre. Pour le javelot. Pour le lancer de javelot. Pour le lancer du javelot. Donc voilà, donc là on a récupéré. On a récupéré. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que le capitaine est le seul à suivre le chat. Je te jure. Alors, faut dire que c'est assez difficile pour moi de suivre le chat, parce que déjà, déjà c'est assez compliqué de rester concentré sur le jeu, étant donné que ça reste un tactical RPG. Ouais. Et qu'en plus, du coup, je dois faire attention à tout ce qui se passe. La tête de fourbe, là aussi, quand même. Alors, le mec à gauche, c'est un des boss du jeu, qui est d'ailleurs super balèze. Il me rappelle Exedol de Macross, dans la première série de Macross. Franchement, c'est clair, la même tête. Ah ouais, non mais... Un truc de malade là. Ah mais oui, c'est vrai, Kian, t'es fan de Macross toi aussi. Ah ouais, moi j'adore Macross donc. Enfin, t'as vu le prochain le Macross Delta qui a été annoncé un peu? Alors, on arrive sur un truc particulier. Justement, je regarde pas. Pourquoi? Parce que je préfère attendre les épisodes et me faire une idée à ce moment-là. Pour moi, c'était pas un trailer, c'est juste que c'est en production en fait. C'est juste que ça que j'ai vu. Alors, donc, on arrive au moment intéressant du jeu. Regarde les trailers. On arrive au moment intéressant du jeu, regardez bien et restez concentrés. Là, donc vous voyez, j'ai la sage bague, voilà. Oui monsieur, tout à fait. J'ai la sage bague donc sur Erika, donc ma leadeuse actuellement, ma meneuse. Et donc je peux décider de faire évoluer une unité. Alors, attends. Peut-être que. En fait, les pirates sont une classe à sagesse. Bon, on le savait pas, mais. Voilà. Donc tu peux une princesse en étant pirate. Ah, attends, c'est bizarre. C'est bizarre parce qu'il me semble que tu peux l'utiliser. Avec des gros couteaux sous ta robe. C'est vachement pratique, en fait, tu peux en prendre. Voilà, non, regardez. On pouvait pas, avant, quand on avait Ross, on pouvait pas utiliser. Voilà, c'est pour ça qu'elle s'active pas ici. Mais normalement, je crois que. Voilà, normalement, elle se grise comme ça si vous pouvez pas l'utiliser. Et ça, c'est en combat, normalement. Donc voilà. Donc là, ce qu'on peut faire, on peut la faire évoluer potentiellement. Et donc, si je fais A. Donc là on va faire une save state. On va faire une save state. Êtes-vous sûr? Donc voilà, êtes-vous sûr? Et là, vous regardez, ça nous propose deux choix. Et juste pour savoir, tu peux faire comme Pokémon, tu peux annuler cette transformation? Tu peux pas annuler cette transformation. tu peux l'annuler ici. Là, tant que t'as pas choisi, tu peux. Là, tu peux. Voilà. Et donc elle peut évoluer en deux classes. Alors, donc ce qu'il faut savoir, c'est que là il va y avoir le système de compétences spéciales qui va s'appliquer. Et donc là, on est avec l'évêque. Donc l'évêque, qu'est-ce que c'est? C'est une exterminatrice de monstres. Et donc son arme, ce sont la lumière, donc qu'elle ne maîtrise pas pour l'instant, puisque c'est juste une soigneuse. Et le bâton, qu'elle maîtrisait déjà parce que c'était une soigneuse à la base. La Valkyrie. Voilà. Alors pourquoi la Valkyrie? C'est dans un sens mieux et dans un sens moins bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que les unités qui sont à pied n'ont pas de malus. Elles n'ont pas de malus contre certaines armes, parce qu'il y a, bon, on l'a vu tout à l'heure, la Ragged Knife, c'était efficace contre les armes, enfin contre les cavaliers et les chevaliers. Et si vous êtes à cheval, bah, y a forcément des armes qui vont être efficaces contre vous. Je crois qu'il marmonne dans son coin, Yen. Non, c'est pas moi, c'est Captain, il parle à son chat. Ah, d'accord. Non, sa femme. Ah, sa femme. Il parle à. Non, je vais me taire. Voilà. Mais bon. Et par contre, l'avantage de la Valkyrie, c'est qu'elle a une meilleure mobilité et qu'en plus donc d'utiliser la magie blanche et les bâtons, ce qu'elle ferait quand même en étant évêque, elle va pouvoir être plus mobile. Le souci, c'est que là, on voit la compétence pourfendeur. Alors, on peut pas savoir ce que ça fait pourfendeur tant qu'on n'a pas essayé. Pourfendeur, moi qui sais ce que ça fait, ça augmente les dégâts de 3 fois
contre les monstres, contre les créatures de type monstre. Donc tous ceux qu'on a rencontrés au chapitre 4, si vous vous souvenez normalement de l'épisode qui datait d'il y a longtemps. On va sûrement en croiser d'ailleurs. Mais bon. Là on a donc la classe de Valkyrie. Voilà, c'est ça. Si on se souvient de... Voilà, une autre unité qui peut évoluer donc c'est Lyut. Et c'est tout ce qui peut évoluer avec la sage-bague et également Arthur. Alors, on peut regarder, donc voilà, donc là on va obtenir soit l'évêque, soit le sage. Donc comme je vous le disais, le sage c'est vraiment un magicien excellent, très polyvalent, beaucoup d'attaques magiques, très bonne technique, une assez bonne vitesse, des bonnes stats de défense. Et Jadot, tu parlais bien à ton chaton mardi. Oui, je parlais à mon chaton mardi, oui, tout à fait. Moi je continuerai à parler à mon chat s'il vient sur mes genoux. Voilà, mais non, moi je parlais de mon vrai chaton. Ah oui, non, je parlais à mon chaton, oui, c'est vrai. En même temps, il m'avait griffé pendant ma partie de Mario Kart, en même temps, cet enfoiré. D'ailleurs, j'ai encore la grosse marque là-dessus, c'est incroyable. Donc, comme je appuyer sur les patounes. Bah, c'est ce que je fais, mais le problème, c'est qu'elle comprend pas. Donc voilà, donc là, le sage est un magicien qui peut utiliser donc la lumière, l'anima et le bâton. L'anima, c'est la magie élémentaire en fait. C'est la magie de feu, de foudre, de glace, etc. C'est toutes ces magies là. Donc il peut vraiment utiliser deux types de magie, ce qui est excellent, parce que du coup il a pas vraiment de faiblesse. S'il affronte un mec de magie noire, hop, tout de suite il va utiliser la lumière. Et si c'est un mec qui utilise la magie de lumière, hop, il va utiliser l'anima. Donc il peut contrer presque toutes les magies, je crois, si je dis pas conne. Sauf si c'est de la lumière, du coup. Donc voilà. Mais pour l'instant, le mieux à faire monter ici, le mieux à faire évoluer, en fait, c'est Natasha. Pourquoi ? Parce que ça reste une healeuse de grand talent et qui va être très très utile. Alors, donc il faut la faire évoluer pas en Valkyrie quoi. Alors si, il faut la faire évoluer, enfin bon, c'est l'avantage. C'est pas forcément hyper logique mais... Voilà, donc là le meilleur endroit où le placer en fait, alors on va aller dans la carte, le meilleur endroit où le placer en fait c'est là où on voit directement le premier mob, c'est ici, tout simplement. Voilà, et donc là par contre ce qu'il faut savoir c'est que Natasha là elle a 38 points de vie, c'est monstrueux pour une unité magique hein. Elle est incroyable. C'est monstrueux pour une unité magique. Parce que regardez, si on va dans la formation et qu'on regarde quand même Ross qui est une classe de dégâts, 41 points de vie. Hein. Sans être évolué, certes, mais 41 points de vie contre 38 déjà évolué. Autant vous dire que c'est monstrueux. C'est vraiment monstrueux. Ah ouais, elle va avoir un nombre de points de vie impressionnant. Voilà, comparé à elle qui a 28 points de vie niveau. Voilà. Qui est une classe physique quand même. Bon, c'est une femme, c'est pour ça. Les femmes ont en général moins de points de vie que les hommes d'ailleurs. C'est un truc à noter. Ah, mais sexisme ordinaire quoi. Mais elles ont la capacité d'avoir plus de résistance en général, qui n'est pas négligeable hein, parce qu'il y a beaucoup d'unités magiques et ça c'est assez chiant. Ah, tu t'es bien rattrapé. Voilà. Donc on va lancer le combat en faisant start tout simplement et on est parti pour ce combat qui va être un peu Baston. À la wall again. Voilà. On va faire attendre. Ici ce qu'on va faire. Combien d'esquives t'as ? T'as 55 d'esquives. Voilà. Une unité qui a énormément d'esquives aussi de base. 55 d'esquives c'est monstrueux. Et hop là, on va s'avancer ici. Donc voilà, la visibilité elle augmente pas beaucoup, elle augmente de 3. Les unités peuvent voir à 3 cases maximum quand elles sont pas des. Contrairement au voleur. Contrairement au voleur qui lui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cases. Oulala. C'est monstrueux. Voilà, donc là on voit tout le terrain là, donc il y a absolument plus de problème hein, pour se battre. Donc, quoi... Du chevalier, du soldat en face, du brigand. Oulala. Voilà. Donc là j'avance un peu mes unités. Vous pouvez penser peut-être un peu à la Wallagan, mais je les place comme... Voilà. Non, c'est pas possible, tu joues dans un tactical, tu fais jamais rien à la Wallagan, c'est pas vrai. Réfléchir un minimum. Voilà. Voilà, donc là j'ai pensé à un truc, c'est qu'en gros, là, il peut pas venir me taper, donc là, il peut venir me taper, c'est normal. Je l'ai fait en sorte pour... Mais bon. Hop là, 2 coups à 17 pour un voleur, c'est what the fuck, hein, les gars. Hein. Oh là là. C'est... Là, je vais rouler sur le combat. Oh, la machine de guerre, c'est ça, t'es... Ah oui, mais clairement. Alors lui, c'est une machine de guerre. Faucon, ouais. Voilà. C'est une machine de guerre. Oh, le mec, il arrive. Oh, non, moi, je suis voleur. Alors voilà. Là, j'ai l'attaque dans l'œil, on n'en parle plus. Là, il y a un truc que j'ai pas pu voir, c'est qu'il y avait un archer qui m'a violé Vanessa, qui m'a quand même mis du 9 points de dégâts, ce qui fait assez... Enfin, même du 11 points de dégâts, voilà. Yamete. J'aime bien celle qui dit tu peux faire à l'arrache quand tu sais pas jouer. Ouais, mais justement, c'est parce que tu sais pas jouer, et généralement, tu fais pas long feu. Voilà. Là, regardez, Joshua, il se ramène, il le one shot. Hein. C'est même pas du. Oh. Bonjour, je suis un perso cheaté. Voilà, là on va prendre une unité qui n'est pas encore max. Et les gars, quoi. Monter un peu plus. Ah, ok. Voilà. Là, ce qu'on peut faire. Hop là, donc ça c'est une forteresse, c'est très très pratique. Vous allez voir pourquoi. Ben, est-ce que si c'est comme alors, en Advance Wars, ça permet aussi les forteresses te permettaient de regagner. Alors,
on va faire un truc, regardez, ça c'est assez intéressant ce que je vais faire. Je vais sauver cette unité pour pouvoir, hop, la prendre et la déposer directement ici pour la faire gagner un petit peu de déplacement parce qu'elle pouvait pas y aller naturellement. Oh là là, ça c'est bon ça. Donc ça c'est des choses qu'on apprend que très tard dans le jeu, qu'on peut faire vraiment des moves comme ça. Et c'est très très utile. Franchement c'est très très utile, ça vous permet déjà notamment de sauver des unités et de les replacer en arrière pour pouvoir voilà. C'est cheaté. Alors comment ça fonctionne? On voit qu'il a pu sauver cette unité là mais il peut pas sauver tout le monde. On voit il a une constitution de 5 donc il peut aider à 5. Il aura toujours une constitution inférieure de 1 à sa constitution, regardez hein, on peut le voir, 9 de constitution, 8 d'aide, 5 de constitution, 15 d'aide. Bon ça c'est parce que c'est une unité Pégase. C'est un peu différent. 6 de constit, 5 d'aide. Ouais, il met tout sur son cheval, il a pas voilà, des... c'est ça. En fait, ils peuvent aider les plus parce qu'ils ont le cheval qui porte quoi. C'est ça, tout à fait. C'est les seules unités à pouvoir faire ça. Les meilleures unités pour sauver, c'est en général les chevaliers parce que bah ils sont mastoc, ils ont masse de constit, donc de base ils peuvent sauver tout le monde. Il faut savoir que si vous avez la même aide, donc là par exemple, si j'avais une aide de 5 et que mon unité avait 5 de constitution, je ne pourrais pas la sauver. Alors il faut avoir la constitution inférieure de au moins 1 pour pouvoir sauver cette unité. Donc là, elle avait une constitution de 3, j'ai une aide de 5. De 5, donc ça easy, passe. Easy, voilà. Par contre, Colm ne pourrait pas sauver Vanessa, par exemple. D'accord. Parce qu'il a une aide de 5, et donc sa constitution de 5 ne lui permettrait pas. Ok. Donc là, ce qu'on va faire... Constitution de 4, si je voilà. Alors, on va faire un truc, parce que là, j'ai pas pensé du tout. J'ai pas d'arme pour cette saleté. Elle est à poil. Est-ce que j'ai un tome dans mon convoi? Est-ce que tu crois que pour une Valkyrie c'est un avantage? D'être à poil? Ouais. Je crois pas, non. À titre personnel, hein. Voilà, voilà. Elle n'a pas d'arme, donc elle peut pas se battre, c'est bien, c'est génial. Les Valkyries ne sont pas là pour se battre en général. Alors, on va visiter. Espérons qu'on ait un tome de lumière, ce serait cool. Bonjour, j'ai un bouquin dans ma petite. Alors, ouais, donc c'est un antidote qui va nous donner, voilà, pour lutter contre certaines bestioles. Un peu pas gentil. On va la faire reculer et hop. On va faire avancer ici et on va faire du soutien. Alors le soutien c'est pratique parce que ça vous permet d'augmenter vos stats. Oh ah attention ya yeah bien parce que une flèche. Est-ce que quelqu'un nous a tendu un piège ou y aurait-il un archer dans les parages? Ah oh, Joshua, vous m'avez sauvé. Heureusement que vous étiez près de moi. C'est le cas ouais. Voilà. Eh bien il s'avère que j'étais dans le coin à ce moment-là. Vous en faites peu de cas, mais j'ai eu de la chance que vous vous trouviez dans le coin. Eh bien, vous allez bien? Je vais très bien, merci. Mais c'est uniquement grâce à vous, Joshua, vous m'avez sauvé la vie. J'essaierai de faire plus attention à mon entourage. Oui, eh bien, ce n'est pas toujours facile, vous savez, surtout pendant le travail. On sent que le mec, il est trop séducteur, quoi, il a trop l'habitude de parler à des filles. Voilà, quand vous soignez un blessé, vous êtes très concentré. Restez focalisé sur votre travail, et je garderai un œil sur vous. Cette solution vous convient? Oh non, je ne peux exiger de vous que vous me protégiez tout le temps. Vous refusez? Non, ce n'est pas ça, je préférais que... Oublions ça. Dites, vous voulez faire un pari? Un autre pari? Ici, sur le champ de bataille? Sur quoi voulez-vous parier cette fois? Je parie que vous allez tôt ou tard tomber amoureuse de moi. Alors, c'est la relation amoureuse entre Natasha et Joshua. Voilà, c'est pour ça que Krista, elle a mis un petit Natasha et Joshua avec un cœur. C'est à cause de ça. Hein, c'est que voilà... Et ils vont tomber amoureux tous les deux. Comment? Personnellement, je mise sur le oui. Alors, faut dire à la base, c'est quand même une société d'être une sorte de nonne clergé. Hein? Et alors? Bon. Et que chez les catholiques, c'est vrai, c'est des japonais, mais bon, à la base, quand même. Je veux dire, pour nous, pauvres occidentaux. Elle va encore évoluer, non? De quoi elle va encore évoluer? Non, elle peut pas évoluer plus, ça, par contre. Ah, elle peut pas, c'est pas comme l'autre, pas passer pape après, genre, je suis. Pour dire que je suis comme un cardinal, mais tout option. Enfin, en tout cas, voilà, tout à l'heure elle était à 55 d'esquive. Hein, donc, on voyait tout à l'heure notre Valkyrie avait 55 d'esquive. Et là, regardez l'esquive qu'elle a pris. Elle a pris 3 d'esquive. Alors, faut savoir que c'est pas la seule chose qu'elle a pris. Elle a pris également du critique. Faut savoir que l'affinité ici, donc là on a une affinité dite lumière, si je dis pas de conneries, qui est avec une affinité vent. Donc, je sais pas tellement comment se jauge les. C'est ce qui vient de se prendre en fait. Hein? Faire la course, ça je connais. Moi je pensais que c'est qu'il l'avait dans le dos plutôt justement, tu vois. Je comprends plus rien à ce qui se passe. On a dit l'affinité vent, c'est ce qui vient de se prendre. Ah oui d'accord. Ouais. Dans le dos parce qu'il y a un critique à 3%. Allez brah. Oh. Alors, faut savoir le critique, c'est pas du double dégât, c'est du triple dégât. Hein?
Triple dégâts. C'est juste hyper violent, c'est du triple dégâts. Alors là, je vais faire du 0 de dégâts contre ce mob, voilà, hein, évidemment. Sans effet. Genre, t'as l'épée, elle arrive sur la... Elle se plie sur l'armure, tu sais. Ah, c'est clairement ça, hein, c'est typiquement ça. Par contre, on va pouvoir voir tout à l'heure que je vais lui violer sa tronche à ce mob parce que... Il a essayé de me faire du dégât, et ben moi je vais lui en couler dans la gueule. Voilà, c'est tout simple. Quand on attaque l'Empire. L'Empire. Alors, il y a trois, voilà, il y a trois niveaux, c'est vrai, comme le dit Christa, de soutien. A, B et C. Donc dans l'ordre C, B et A, hein, le A étant le meilleur. Et le A permet de changer la fin des persos. D'accord. Voilà. Et dans Fire Emblem Awakening, il y a même le rang S qui, lorsque vous le faites entre un gars et une fille. Vous donne un gamin, c'est ça ? Vous donne déjà un gamin et donc une relation amoureuse entre les personnages. C'est pour ça qu'il y a un gamin qui va à la suite et qui donc vous débloque une quête annexe. Oh, c'est qui est très très pratique. Et donc tu fais du gamin. Et voilà, donc si on met Joshua et Natasha au niveau A, attends, ils finissent ensemble. Donc ils sont en train d'utiliser l'esclavage avec mes gamins, tu leur dis ouais. C'était cool l'esclavage, ils les faisaient baiser entre eux, comme ça ils pouvaient revendre les enfants, c'était bien. Donc là, est-ce que vous avez compris ce qui vient de se passer là ? Des persos qui sont venus, qui sont arrivés. Non, voilà. Alors, elle était à 11 points de vie. Lutte a été soignée en fait parce qu'elle est dans la forteresse. Voilà, tout à fait, c'est parfaitement ça. Elle gagne 4 points de vie par. En fait, tu gagnes 20% de régénération sur les forteresses. Ok, c'est bon à savoir. Alors, voyez, donc là, donc tout à l'heure, je lui faisais du 0. Là, je lui fais du 3. Et là, je le viole. Alors, j'ai celle qui est choquée par ce que j'ai dit, mais c'est elle, malheureusement. Pour nous, parce que ça te concerne aussi, c'est de l'histoire, c'est pas moi qui l'invente. Alors, ouais. donc vous voyez, hein, la différence entre l'épée de fer, l'épée d'acier et la rapière, hein. La rapière, efficace contre les cavaliers chevaliers. Oui, parce que ça passe, c'est logique, normalement c'était censé être étudié pour passer entre les... Entre les armures de plate, en fait. C'est ça, donc c'est pour ça que c'est efficace. Alors que ce soit efficace aussi contre les cavaliers, voilà, c'est un peu particulier, mais bon... Bah c'est pareil, ça passait bien entre les côtes du cheval, quoi. Ce qui fait que c'était très pratique. Ça permet de frapper le truc autour. On peut vous montrer Ross, hein, voilà, Ross. J'aime bien Michel qui me dit oui, mais même ça reste horrible. Non, mais j'ai jamais dit que c'était acceptable, j'ai juste dit que c'est arrivé. Par rapport à quoi ? Par rapport à l'esclavage. Sur l'esclavage. Ah oui. J'ai jamais dit c'était bien, j'ai jamais dit qu'il fallait le soutenir, j'ai juste dit qu'il a fallu que je leur explique ça et que c'est pas facile à expliquer à des mondes quand même. D'ailleurs, FEK, le nombre de relations à la limite de l'inceste, ah bon ? Oh ! En fait, et Christa, elle dit ça et on lui dit pas que ce qu'elle dit c'est dégueulasse, tu vois. Non, parce que c'est une fille. Voilà. Ah, mais le sexisme ordinaire, je me réjouis. Alors, je te jure. Franchement, je me réjouis. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que il faudra. Alors ça, c'est quoi ? Ce sont des villageois. Ce sont une petite fille. Un citadin de renard. Sa mère et son père. Voilà. Et en fait. Regardez, les villageois, ils vous acclament comme des villageois. En fait, dans l'histoire, en fait, vous comprenez qu'en fait, ils ont été capturés ici et qu'on les utilise comme appât en fait pour pouvoir nous dégommer la tronche en fait. Ah, mais rien à changer. C'est des coquilleries. C'est un peu. C'est un peu ça, ouais. On va dire ça. Alors, je vais faire une save state parce que je sais pas trop ce qui se passe là-bas. Pour aller poutrer ce mec, à la lance fine. Donc voilà, on va utiliser la lance fine. Alors, la lance fine, quand même, faut se dire, ça tape du 4 à la base. Mais ça va taper du 24 avec la force de 20, donc on tape du 18. Hein. Oh putain. Ouais, en plus de ça, regardez le critique, le taux de critique monstrueux que ça donne. Ce qui est assez ouf. Truc de bourrin, quoi. Voilà, brah ! Critique. Donc, l'animation critique, vous allez toujours la reconnaître. Elle fait toujours un truc différent. Et puis t'as l'espèce de flash blanc aussi. Voilà, il y a l'espèce de flash blanc. Il y a un critique qui est très particulier aussi, qui est le critique one shot, qui n'apparaît que sur une seule classe, qui est l'assassin. Car l'assassin a une compétence spéciale. Ah bah voilà, encore un critique. Brah ! Allez ! Attends, c'est beau ça, bon. 14 de critique, là ça commence à taper aussi. Hein. Donc point de vie, chance, défense, c'est très bien pour elle la défense, elle en a pas beaucoup. Et en fait, du coup, là, on voit là, il y a aussi une Valkyrie qui est là. Un troubadour, pardon. Donc, c'est une unité soigneuse, mais à cheval, qui peut devenir aussi une Valkyrie, du coup. Mais qui peut devenir une autre classe, qui est le chevalier mage, qui est juste magnifique aussi. Un chevalier. un mage à cheval qui se déplace à. 7 de déplacement. Coucou, YOLO, allez, c'est parti. Un autre coup critique, voilà. On peut le voir. C'est violent, quoi. Le nom de son arc, le cuirassine. Le cuirassine, ce n'est pas un arc, c'est une épée.
qui est donc efficace contre... Voilà, ouais, c'est... non, c'est censé être une épée. Hein, il... Mais bon, ça fait office de dague pour lui parce que c'est ce qui... Voilà. Mais ouais. C'est une épée à la base. Et en fait, cette cuirasside est efficace contre les mobs cuirassés. Donc là, voilà, zéro de dégâts. Trop de défense. Et là, pareil, il vous fait le coup du... Et voilà. Allez, j'ai plus que 41 points de vie, rien à foutre, Thug Life. Donc voilà. Donc là, on va sûrement esquiver l'attaque. 32 d'esquive, hein. Enfin 32% de précision pour l'adversaire. Voilà, esquiver. Rapide. Donc Lyut va encore récupérer des points de vie. Voilà. Ça fait pas comme dans Worms, je fous de leur gueule en plus quand ils ratent. Ouais, c'est ça. Ça serait trop bon ça. Brah. Voilà, ça c'est fait. Alors. Ah, qui c'est qui a fait un message ? C'est moi. Tout va bien. Alors, on va utiliser le javelot. Brah. One shot. Elixir. On va l'envoyer. Vite, hein. On va envoyer la potion en combat. Oui, tout à fait. Hein. J'essaie d'aller vite pour pas. Pourquoi t'as des personnages surcheatés parce que tu les as fait squatter l'arène pendant je sais pas combien de temps. Ah oui, bah à peu près 4 ou 5 heures. À peu près le temps qu'il faut. Donc là, ce qu'on va faire, on va quand même faire monter les unités qui n'ont pas trop alors, d'XP. Christelle dit que normalement une arme efficace contre les unités montées dont elle a perdu le nom. Tu as une arme efficace contre. Oui, c'est la. Dans ma culture, j'en connais une, ça s'appelle le Nodachi Katana et c'est un truc qui fait 1m20 de lame uniquement et ça servait à couper les chevaux en deux. C'était quoi l'arme efficace c'est... Est-ce que c'est une épée Est-ce que c'est une épée Parce que. Je pense que c'est quelque chose du genre. Je pense que c'est du genre. C'est, je pense que c'est une lance qu'elle cherche comme arme. Possible. Alors le coup critique au javelot. Blablabla. Oh. Voilà, ça c'est violent. Ça je pense que c'est voilà. Planter le javelot dans la lutte direct. Donc voilà. Du coup la phase. Et Pierrot, la lance qui est efficace contre les unités montées, c'est le comment ça s'appelle? J'ai le trou aussi et... Épée bestiale, il dit, Pascal. Ouais. Épée bestiale. Alors, non, c'est pas du tout ça. Non, dans ce jeu-là, c'est pas ça. Pas dans celle enfin. J'ai une question con. Il y a une lance comme ça. C'est arrivé. Le tour annexe, genre les villageois, ils peuvent bouger ou pas? Voilà, une cabalucide. C'est une cabalucide. Une cabalucide, ok. Voilà, la cabalucide. Donc voilà, là, on voit là, la différence tout à l'heure. Hein, ce mec là il a blinde de résil donc forcément je vais pas lui faire beaucoup de dégâts donc on va plutôt préconiser de taper le chevalier. Et le besticide c'est contre les. C'est pas contre les. C'est pas contre les unités montées, c'est contre les monstres en fait. C'est contre les unités type monstre. Le besticide. Donc magie technique. Voilà. Tranquille. Alors hop, on va y aller. À l'épée d'acier. Non, à l'épée. Voilà. Donc là, on peut entendre la musique qui a changé. Alors, vous l'entendez pas, bien sûr, parce que bon, du coup, vous êtes. Ou très très faiblement. Voilà. Mais la musique change. Quand la musique devient cette musique-là, c'est qu'il ne reste plus qu'un seul adversaire à tuer, en général le boss. Donc, c'est ce qui signifie qu'en fait, là, j'ai plus rien à faire sur cette carte, mais vraiment plus rien. Je vais juste aller poutrer le boss et puis on en parle plus, quoi. Oui. Alors. Ouais, jouer de bonne humeur. C'est ça. Donc, ce qu'on peut faire. Alors, elle est niveau 8 et elle est niveau 8 aussi. Hop, on va faire monter Erika, je pense. Donc pour faire monter Erika, hop, on va commencer à la magie noire. Donc voilà, donc là la magie anima est faible contre la noire. D'accord. Voilà, la noire est efficace contre l'anima. L'anima est efficace contre la magie de lumière. La lumière est efficace contre la magie de ténèbres. Simplement, la magie noire. Parce que c'est pas un peu logique, c'est ça. Voilà, hop. Donc on va le laisser en tower defense ici. Mm-hmm. Parce que du coup, il va m'attaquer en premier, mais moi je vais le taper deux fois. Non, c'est impossible, ils ont survécu juste ici. Est-ce donc à moi de faire tout le travail? Voilà. Ouais, c'est pas fou. Donc là, il me tape du 12. Donc voilà pourquoi j'ai pas attaqué, parce qu'il m'aurait réattaqué derrière, j'étais mort. Donc là, je vais essayer de lui faire un maximum de dégâts pour que Erika n'ait pas trop à faire pour l'achever en fait. Hey, Erika. Attends, c'est quoi du coup la Beast Killer en français? Bah c'est ça, la besticide, normalement. Et voilà, et là, du coup, épée fer, 6, 2 fois, hop, non. Alors, à pierre, ça passe. Voilà. Et on se prend du 14 de dégâts dans la gueule, mais on le tue à 100%, donc bah... Bah, on va faire ça, hein. Ah, et un critique, en plus. Rah ah, voilà. Comme bon, ça, on se prend pas de dégâts. Hop là. Alors après, il faut savoir que même si on prend des dégâts, on est restore full life à la fin de chaque combat, donc, oui, donc c'est pas bien grave. Si on finit un combat avec un point de vie, c'est pas le problème. Donc point de vie, alors voilà, point de vie technique, vitesse, chance, défense, hop là, c'est parti.
Christelle va te haïr encore. Voilà, Christelle va me dire mais je crois qu'elle va rager. De toute façon, je pense que je vais partir maintenant parce que voilà, il est bientôt 23h, on va s'arrêter là. Oui, je pense. Parce qu'on n'aura pas le temps, on n'aura pas le temps d'aller plus loin et que comme ça, ça vous laissera la surprise de regarder la suite prochainement. Parce qu'il est, parce qu'elle est efficace contre. Voilà, c'est la besticide est efficace contre. Contre les unités, voilà. Il y a la dracocide qui est efficace contre les dragons. Il y a la spatacide qui est efficace contre les épéistes. Il faut savoir que c'est une hache. Et donc une hache efficace contre les épéistes, c'est très pratique. Il y a également une lance qui est efficace contre les haches. Je ne connais plus le nom. Et une épée, pareil, qui est efficace contre les lances. Voilà, ça c'est assez. Non, mais je rage plus. Voilà. Elle a compris, tu vois, elle s'est inclinée, elle a dit non mais ça sert à rien, de toute façon c'est horrible, tu vois. Voilà. Je viendrai d'empoisonner dans ton sommeil. Bon, alors là il y a un petit passage intéressant, on va le laisser quand même. Donc, votre défunt père, le roi Fado, il m'a ordonné d'attendre le moment opportun pour vous réveiller Fado, la vérité. Comme le Kokiri dans Windbreaker, Fado c'est comme le vieux Credo, mais en Fado. En Fado Rémi Salacido. Voilà. En fait, son père était fan de musique. Enfin, le père de son père était fan de musique. Du coup, c'est pour ça qu'il l'a appelé Fado. À la base, ils auraient dû appeler Erika Siresol. Mais ça passait moins bien. Alors, du coup, ils l'ont appelé Erika, tout simplement. Pareil pour Ephraim, hein, il devait s'appeler La Bémol. Hein, mais bon, ils ont décidé de changer. Je crois que je sais pourquoi. Voilà, la brise H et la brise lance, tout à fait, merci Christa. Mais voilà, mais là on a un passage intéressant et très important dans l'histoire qui va nous expliquer pourquoi nos bracelets sont si importants. Parce qu'en fait, Ephraim et Erika ont deux bracelets identiques qui sont très très importants. Mais voilà, donc là on va en avoir l'explication si je dis pas carrément. Ils sont frères et sœurs. Ils sont frères et sœurs, tout à fait. Parce qu'ils ont la même couleur de cheveux. Entre autres, mais de base ils le savent, il n'y a pas de soucis. Oui, ok. Mais étant donné les derniers événements et les actions de l'empereur Vigarde, je sens qu'il est impératif que je vous raconte tout maintenant. Êtes-vous prête à entendre le secret du bracelet que vous portez? Oui. Comme vous le savez, madame, l'une des légendaires pierres sacrées, donc Sacred Stones, hein, se trouve à René. Ouais, mon ami René. À René. À René. Voilà, il y avait un la bémol. Hein, il y avait un bémol dans cette histoire, c'est vrai Christa. Mon Dieu. Oui, elle se trouve au temple. Elle nous protège du mal. Faux. Seule la vraie pierre peut offrir une telle protection. Celle qui est au temple n'est plus qu'une vulgaire copie. La pierre sacrée de René est cachée sous le palais royal. Elle est scellée par un verrou magique extrêmement complexe. Donc comment les bracelets, c'est vrai. Oui, je tiens cette information du roi Fado Rémi Salacido en personne. Le roi Facho en personne. Voilà. C'est sacré. Les pierres sacrées ont jadis banni le mal et les pouvoirs qu'elles possèdent dépassent notre entendement. Les anciens rois de René ont jugé plus prudent de sceller la nôtre. Mais c'est qui René? C'est pour ça. C'est un mauvais essien. Mon petit Coris. Les boucles. Vous supprimez toute tentation. Après les qui pour briser le verrou, elles ont été cochées, elles ont été forgées en bracelet. Ces bracelets, c'est ce que vous pensez, vous, le prince Ephraim. Nos bracelets? Comment père a-t-il pu nous cacher ce secret aussi longtemps? Bon, si tu veux les porter avec un caribou, c'est pour ça. Vas-y, fais 7 et moi je fais le québécois et moi je fais la pucelle. Ouais. Il a dit, j'essaie avec l'accent, c'est pas facile. Sauf si ne dites rien sur les bracelets, sauf si le monde est en danger. Et voilà ce que le Rafoacho m'avait donné. Le prince Ephraim n'est pas du tout au courant de rien du tout. C'est un petit maudit d'ignorant. Ouais. Les bracelets sont donc si importants. Il faut faire le truc quoi. Lui veut passer à son. Ah et oui, si nous sommes les seuls à connaître le secret de la pierre de René. On parle un peu en allemand. Un petit tour en Allemagne, c'est pas tout ça. Du moins, c'est ce qu'on m'a fait laisser croire. Et pourtant. Grado. L'armée de Grado a clairement affiché son désir d'obtenir ce bras. D'obtenir mon bracelet. Ah ya. <yeah. rire> Dors. Ça. Chignon au commun, mais l'homme purifica, il est aussi au courant de ce secret. Le
Les troupes qui nous traquent et ont été chargés des embarrés du brazelette, ya. Yeah. C'est là qu'on voit que je suis pas tout seul dans la tête. On est en train de tuer le chat, je crois. Il faudrait utiliser les bracelets pour libérer la pierre sacrée et la détruire en secret. Ah, probablement, ya. Yeah. Cela signifie que mon frère et son bracelet... S'il a été capturé, ils se sont déjà emparés de son bracelet, ya. Yeah. Il est donc peut-être... Ephraim. Ah bah oui, c'est son nom, ça. C'est compliqué de le faire en allemand. Hâte de voir les réactions sur YouTube, tiens, ouais, tu m'étonnes. Clairement, clairement. Bon, bah, du coup, en tout cas, c'est important comme passage. C'est super important, il ne laisse même pas le temps de lire, tu vois. Voilà, mais voilà, vous avez l'essentiel en fait, le prince Ephraim s'est fait venir que les bracelets, voilà, voilà. On te parle de sous, on te parle de pierre sacrée, ouais, les bracelets, c'est la clé, quoi. Et voilà, on arrive au chapitre 7, les rives de Renval. Alors, faut savoir que je crois que c'est au chapitre 8. Hein, effectivement, renvalez vos affaires, c'est fini. Voilà, renvalez vos affaires, c'est fini. Ah oui, d'ailleurs, mais oui, c'est pour ça qu'on m'a envoyé un message, je pense, c'est parce que je dois des coups à une pote. Tu dois des coups? Ouais, bah, des coups. Frappe pas trop fort. Hein, ouais, non, mais t'inquiète, justement, j'avais prévu de la frapper, mais pas trop fort non plus. Ah putain. Ah, le mec, quoi. Ah, c'est mon chaton. Oh, c'est mon chatni. Ah, bon, il t'envoie des messages? Ouais, il m'envoie des messages. Ah putain, je pensais que c'était vraiment le petit chaton, putain, mais... C'est pas vrai. Non, je fais une différence entre mon... Voilà, mon chatuni, c'est mon bébé d'amour, voilà. Hein, c'est une formule, hein, typiquement de sa famille, hein, mais bon. Oh, bah, tu vois, maintenant t'as chaton et chaton, alors on se repère plus, tu vois. Ouais, c'est ça, hein. Ouais, moi j'ai mon petit chat, ça, vous savez que c'est un truc... C'est l'animal, quoi, le petit chat. Voilà, c'est ça. Alors, hop. Alors, tu choisis la route. Alors, voilà. C'est au chapitre 8, on choisit la route. Oui, c'est ça. J'étais sur la route. Toute la sainte journée. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on peut repartir en arrière. Ce qui peut être pratique, par exemple, si on a envie d'aller dans un magasin acheter, pour Natacha, par exemple. Oh, des tables de lumière. Ah, mais ça coûte pas cher. Oh, bah ça coûte rien. Oh, c'est bizarre. Ah, regardez, il y a des torches et des vitalis. Alors, ça, c'est utile. Alors la torche, c'est une torche qui du coup a 10 d'utilisation et qui utilise la magie comme portée. En gros, vous pouvez lancer la magie à distance. PM divisé par 2. Voilà, et en fait la zone réduira au fur et à mesure. Également, le vitalis rend aux alliés leur état normal. Si vous êtes empoisonné en pierre, si vous avez toutes les altérations possibles et imaginables, ce truc-là il fait allez, tu vires tout. Voilà. Donc ça peut être très pratique d'en avoir. On va dire que tu peux en acheter, quoi. T'as un peu les moyens. Oui, on peut dire que je peux en acheter, hein. Honnêtement, oui. Parce qu'au début, on vous lâche, vous avez 5000 écus. Hein. C'est ridiculement faible. Ah, c'est cool, hein, quoi. Voilà. Voilà. Alors, on a récupéré la lame de fer. Alors, ça, c'est une des lames les plus puissantes du jeu. Ah, du coup, il y a une lame encore plus au-dessus qui est la lame d'argent. Mm-hmm. Parce qu'en fait, regardez la puissance de l'arme comparée à une épée de fer. Donc là, on est à 9. Et on va avoir une épée de fer. La barre de fer. Et l'épée de fer, est à 5. Faut savoir que, bon, une puissance de 4 augmentée, c'est très très fort. C'est très très fort. Et bon, par contre, le problème de cette arme, c'est le poids conséquent. Bah, elle doit avoir un poids. Ouais, voilà, un poids de 12, ce qui est assez conséquent. Pour des unités comme ça, je perds quand même 6 de vitesse, donc je me retrouve à 14. Contre certaines unités, ça passe pas, hein, d'avoir le pour un voleur, en plus, voilà. Ouais, bon, au moins l'équivalent, c'est l'avantage, c'est que du coup, je compense sa grande vitesse, sa faible constite pour frapper plus fort avec une arme qui du coup pèse plus lourd. Le crochet, c'est une arme aussi. Le crochet, non, c'est pas une arme, c'est ce qui lui permet d'ouvrir les coffres et de voler. D'accord. Mais les unités. Et quand il évolue en fait en escroc, il peut le faire naturellement. C'est sa compétence de base. Oh. Voilà. L'assassin, par contre. Donc notre merveilleux Joshua, hein. Assassin. Joshua qui sera donc un assassin, voilà, qui va passer assassin. Lui donc il va être monstrueux. Il va se ramener, il va faire bon alors déjà je fais super mal et en plus de ça. Ah j'ai une chance de one shot, j'ai une chance sur 4 de one shot. Bon bah très bien, c'est parti. Une chance sur 4. Hop là.
Ah oui, mais c'est... Déjà, t'as du cul... C'est violent, c'est violent. Alors, dites-vous... Le pire, c'est que vous êtes... Voilà. C'est un peu ça. Le pire, c'est que vous avez, vous êtes même pas obligé de... Oui, voilà, il y, y a la lame d'acier aussi. Mais vous êtes même pas obligé d'obtenir un dégât pour one shot. C'est-à-dire qu'en gros, à partir du moment où vous avez déclenché le critique, si le critique a décidé d'être létal, c'est one shot instant. C'est le mob, il a beau avoir ça a beau être le boss de fin, vous instant le kill. Instant kill, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Vachement pratique dans l'état de jeu, ça. Et le mieux, je crois que l'arme la plus puissante arme du jeu pour les critiques pour un assassin s'appelle le Shamshir. Je crois que ça donne 35 de coups critiques. C'est violent. Alors, je crois que le mieux que je suis arrivé avec Joshua, c'est de monter à 85% de coups critiques. Wow. Avec la avec le fait qu'il ait été bretteur, avec le fait qu'il est à côté de Natacha, avec le Shamshir, il montait quasiment à 85 de coups critiques. Et je crois que le plus puissant que j'ai fait, c'est avec le Berserker. Et alors là, ça c'est violent. Le Berserker qui se trouve être Ross. Oui, ça va passer comme un Berserker. Ce Berserker, il passait à 91 de coups critiques. Oh, mon Dieu. En sachant que le Berserker, avait une force de 30. Donc le Berserker avec une force de 30, avec une hache létale qui tape du 15, donc du 15 plus 30, 45 x 3, à quasiment 9 chances sur 10, c'est du one shot instant aussi, même sur le boss de fin. Ouais, je vous laisse cogiter et on se retrouve donc dimanche, je pense peut-être faire un live dimanche soir à 21h. Voilà, un petit live du coup de 2h, 21h, 23h. Sur Fire Emblem, pour continuer un peu l'aventure. Je passerai peut-être, tout dépend de mon état après mon week-end. Voilà. Voilà, 21h, ouais, par là. Peut-être, ouais, 21h, 23h, ça me semble être un horaire correct. Mm-hmm. Pour faire un live du coup de Fire Emblem, spécial Fire Emblem, donc juste pour Fire Emblem. Peut-être que je me rajouterai ce créneau d'ailleurs à temps fixe, hein, pour avoir une série en plus de Legend of Mana, parce que bon, d'ailleurs, Legend of Mana va bientôt se terminer. Je sais même pas comment on va le terminer parce que je suis bloqué à mort. Mais non, t'es pas bloqué. Mais... Là, j'ai vu que le cactus à la fin il s'est rebarré. Donc, oui, il en a marre de ton cul, c'est peut-être. Voilà, je sais pas où il s'est rebarré, ce petit salaud, mais il s'est rebarré. Du coup, va falloir encore le rechercher, j'en sais rien. Ben voilà, va falloir que je le retrouve, donc ça va être un peu compliqué. Donc en tout cas, on se dit à la prochaine sur le Twitch hein, et sur YouTube en vidéo on demand. Oh yeah, c'est trop classe. Ouais, c'était très très bien dit. Merci Captain, merci Yak d'avoir été là. Bon, même si Yak, on t'entendait pas beaucoup parce que t'as un micro cacahuète. Ouais, je sais, c'est de la merde, j'y peux rien. Voilà. Ça, hein. Voilà. Alors, d'ailleurs, Jade. Moi, on m'entendait peut-être trop après, mais ça, c'est un autre problème. C'est parce que tu parlais allemand. Ouais, un allemand québécois, c'est pas souvent. Je ferai peut-être F7 en live, mais on verra. Eh ben, écoute, si t'as besoin d'une participation. Tu veux faire F7 Non, F7. F7, excuse-moi. Si on commence à faire du Final Fantasy, je commencerai plutôt par le 4, 5, 6, ouais. Ouais, hein. Une période Super NES, c'est clairement. Voilà, c'est mieux. Hein, les 4, 5, 6 sur Super NES, ils sont juste magistraux. Hein. D'ailleurs, si je fais les... Bah, peut-être que je vais me lancer là-dessus, d'ailleurs. Ça. Aussi. Alors, autant le 4 et le 6, je peux t'aider, autant le 5, j'ai jamais été jusqu'au bout. Ou on part sur un truc vraiment, vraiment que le site a en adoration, hein, qui serait du Chrono Trigger. Ah, ça peut être pas mal. Ça peut être mais ça, j'aurais besoin de quelqu'un pour m'épauler parce que effectivement, je le connais quand même un minimum. Ah, mais je vais retourner moi, Chrono Trigger. Mais alors de là à dire que je le connais vraiment bien là, non. Ah, je l'ai retourné version NDS incluse. Hein. Ah oui, ça version NDS. Par contre, je l'ai bien fait. Par contre, du coup, j'ai plus le jeu. Je sais pas où il est parti. Il s'est envolé, je crois. Alors par contre, est-ce que tu le fais avec les 12 fins? Donc le son s'est coupé, c'est normal. Voilà. Il me semble... Alors... Voilà. Il n'y a plus de frites. Il n'y a plus de frites, il n'y a plus rien, j'ai rangé les assiettes.
Faut faire la vaisselle même. Voilà, c'est ça, c'est le plus chiant. Donc là, ce que je vois, voilà, Happy, alors. C'est elle qui dit, la version DS, quand j'essaie de voir, elle coûtait tellement cher, bah c'est pas prêt de baisser, à mon avis, tu vois. Alors là, je vois la run de Super Mario Bros, donc sur la homepage de ta vidéo, faite en 25 minutes 19 secondes et 23 centièmes, réalisée par Mars et Happy Lee. Happy Lee qui a fait tous les records sur NES de Super Mario Bros. Et là, en fait, elle est faite en Warpless, donc tous les niveaux. Donc ouais. C'est comme un 100%. Et en walkathon, c'est-à-dire en marchant. C'est-à-dire qu'il s'empêche d'utiliser le bouton de course pour finir le jeu. Imaginez-vous comment c'est hardcore dans le niveau 8 où il y a des sauts monstrueux à faire. Il est obligé de manipuler les ennemis pour pouvoir sauter dessus, pour pouvoir... Enfin, c'est monstrueux, je vous le dis, c'est monstrueux. Ouais, il est obligé de faire... Voilà, il est obligé de faire ce qu'on appelle des wall jump. Donc de passer avec une certaine vitesse sur le 16e pixel du bloc en partant de la base pour pouvoir faire un autre saut pour ressauter sur... Ah non, c'est what the fuck. C'est what the fuck. Il y a vraiment des trucs super dans ce TAS. Je vous l'envoie en tout cas sur le... ici. On la commentera aussi celle-là parce qu'elle est vraiment intéressante. Mais voilà, donc pour ce qui est donc de... hop là, movie. Voilà. Donc je parlais de Fire Emblem, comme ça. Le FF4 et FF5 que tu voulais faire au Chrono Trigger. Non, Chrono Trigger, voilà, Chrono Trigger, donc ça c'est sur du Super NES. Ouais. Super NES, Super Famicom. Alors, Chrono Trigger, alors, donc il y a une fin qui est donc réalisée en 2h17 et 8 minutes, je présume que c'est la fin... la plus courte, une qui est faite en 100% en 5h44, une qui est faite... c'est tout ce qu'il y a sur les runs de Chrono Trigger. Voilà. D'ailleurs, qui se trouve juste en dessous, ah, bizarrement, de SNES Castlevania Dracula X, Best Ending, en 13 minutes 56. où on voit d'ailleurs l'image où il affronte la mort. Encore. Encore. Mais voilà, Chrono Trigger donc fait le plus rapidement possible en 2h17 et 8 minutes. 2h17 et 8 secondes et 86 centièmes, et en 5h44 en 100%, quasiment 5h45 en 100%, ce qui est monstrueux. C'est clair, ouais. C'est un truc de dingue. Hein. C'est un truc de 100%, dingue. 100%, donc 100% vraiment, c'est juste monstrueux, c'est-à-dire déjà que c'est la meilleure fin. Ah ouais. Alors, déjà, donc, this run aims for maximal completion with reasonable constraints. This includes all forms of Specchio, except the highest levels. Donc ça, Specchio, je crois que c'est un mob d'arène, je crois, un truc comme ça. Alors c'est le dieu de la guerre, donc c'est celui qui te donne la magie. En fait, selon ton niveau, il évolue de plus en plus, jusqu'à devenir de plus en plus fort, et limite plus fort que le boss de fin lui-même. Quoi. Voilà, donc il va faire toutes les formes de Specchio, voilà. Ouais. Il va gagner tous les upgrades d'items. Oui, jusque-là, ça se fait. Il va apprendre toutes les techniques des personnages. Très facile. Il va faire la majorité des side quests, donc des quêtes annexes. Il va les all the major side quests, il va les compléter. Oui, ça, oui. At least one of every item is collected. D'accord. Donc un objet de chaque objet. Donc il va faire le compendium objet. C'est chaud, par contre. Il fait le compendium objet également. Ouais. It isn't technically possible. Alors, ce qu'il explique en fait, c'est que c'est pas possible de faire tout dans le jeu, forcément, parce que déjà il y a plusieurs fins, tout simplement. Hein. Mais voilà, elle essaie de faire le maximum possible, et c'est le voilà. Donc c'est vraiment très 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 impressionnant de voir ça. Mais c'est excellent, c'est excellent. Alors, Jado est plus visé. Nakim prend des pauses toutes les heures. Ouais, parce que t'as fait un stream de 3 heures tout à l'heure. C'est pour ça. Ah, non, j'ai pas fait un stream de 3 heures. Enfin, je l'ai coupé en fait. Oui. Je l'ai coupé un court instant. T'as fait quoi, 1h30 je crois. J'ai fait 1h30 à peu près, ouais. Bah, c'est bon alors. Ouais. Voilà. Donc voilà. Shadow et Nakim ont mis en run Ila, bravo. Alors, où ça? Ou pourquoi il est en run? C'est vrai que je pense pas tout le temps à faire des pauses, mais bon, c'est pas particulièrement évident quand on est en live. Hein. En plus de ça, si je dis pas de conneries, c'est faisable de faire des coupures via YouTube maintenant. Donc, il y a pas d'excuse. Après, s'il veut que je retravaille les vidéos, que je les refasse à ma sauce, et que voilà, il me le dit, je les retravaille. Mais pour ce faire, il faut me laisser l'accès à la chaîne YouTube de Square Palace. Sinon, j'ai aucun accès direct pour faire ça en fait, pour pouvoir retravailler les vidéos. Et je peux comprendre que ça énerve Ila pas, mais bon, moi si on me donne pas l'accès, je peux pas rien en faire.
je peux pas recouper les vidéos, je peux pas faire des petits montages pour raccourcir un peu les vidéos, pour éviter les passages un peu chiants qui servent à rien, etc. Donc bon, là, je peux rien faire tant qu'on me donne pas l'accès, hein, personnellement. Moi, j'ai déjà demandé à Senki, d'ailleurs, hein, d'avoir l'accès comme ça pour pouvoir mettre les vidéos un peu plus rapidement, parce que c'est vrai qu'il a pas, peut-être, il a pas forcément le temps nécessaire pour pouvoir s'occuper de la chaîne, etc. Moi, j'ai un peu plus de temps que ça. Quand je fais un live, j'ose à faire, ouais. Voilà, quand je fais un live, je peux me permettre de prendre 20 minutes parce que je le fais rapidement. D'upload directement la vidéo, machin. En plus, je suis sur une connexion fibre, ça m'empêche absolument pas de le faire. Donc voilà, mais il faut me laisser l'accès, quoi. C'est le seul souci. Mais voilà. Mon cher Nakim, ainsi que les autres personnes, j'ai le regret de vous annoncer que les deux premières vidéos, Legend of Mana, l'aventure commencée, n'ont pas pu être transférées sur YouTube pour une vidéo de 4-5 heures, pour être exemple. Le transfert échoue à chaque fois, ça fait plusieurs jours que j'essaie. Donc, mes chers palaciens, je vous demande de couper vos streams régulièrement, de ne pas faire des vidéos de plus d'une heure 30, 2 heures grand max, ce serait gentil d'en tenir compte. Après, c'est votre travail et votre investissement qui risque de partir en fumée. Et là, j'espère que je vais enfin réussir à la vidéo de 5h11. 5h15, ça doit être moi ça. PS, et je bosse quelque chose comme 12 à 15 heures par jour, je n'ai pas le temps de m'amuser à découper manuellement toutes les vidéos en highlight comme Nakim l'avait suggéré, d'autant plus que le nombre de highlights sur la page est limité, et ça me prendrait des heures, alors que vous, ça vous prend 5 minutes de faire des coupures de stream. Bon, voilà, je vais en discuter avec il a pas, tout simplement, je vais en discuter avec lui, moi, ça me dérange pas de le faire, faut juste qu'on me donne l'accès, si on me donne pas l'accès, je peux pas. Voilà. Si on me donne pas l'accès, si on m'explique pas 3 secondes comment ça fonctionne avec Twitch, le déplacement des vidéos de Twitch vers YouTube, je peux pas le faire. Ça, clairement. Donc voilà, mais ça, j'en discuterai plus tard, ça concerne pas trop le live. Mais voilà. En tout cas, merci d'avoir été là, hein, pour tous ceux qui ont été là, donc notamment Dragon. Il y a Suzuki. Il y a Suzuki03 qui a cru qu'il allait passer entre les mailles du filet, que je vois là. Hein. Suzuki03, je sais pas, quelqu'un qui vient sur le live, mais qui a pas dit un mot apparemment, j'ai pas remarqué. En tout cas, merci à Yak, Dragon, Ciel, Captain, Yenanko et tous ceux qui étaient là aussi. Donc, Boom qui est passé en flash, Kleska, Duki. Merci à vous tous en tout cas. Et puis, il y a un monde ce soir. Il y avait un monde, c'était. Ouais, c'est clair, il y avait beaucoup de monde, ouais. C'est rare. Hein. Donc voilà. Et sinon, à moins d'enregistrer le stream ensuite de redécouper avec OBS, on peut enregistrer. Alors, non, mais. Ce que je veux dire, c'est que moi, je peux le faire. C'est pas un problème. Moi, j'ai un logiciel de montage. Je fais des vidéos depuis 4 ans. C'est pas ce qui m'empêche de faire des coupures de vidéos, quoi. Franchement. Non, c'est clair. C'est pas la question. Pour la chaîne YouTube. C'est ça, parce qu'en fait, déjà de base, on n'a pas accès à la chaîne Square Palace. Faut se dire ça. Hein. On a accès à faire du live, mais on peut pas accéder à tous les paramètres de Square Palace. Donc forcément, de base, ça nous restreint quant à ce que nous on fasse les montages nous-mêmes. Ce que je pense. Bah, je pense pas que ça dérangerait Nakim de faire ses propres montages. Non, clairement pas, je pense. Voilà, je pense pas. Enfin, on est investi, c'est notre boulot. Bah, c'est forcément aussi, moi je pense, notre part de responsabilité de faire ça. Je vois pas pourquoi ce serait à quelqu'un en dehors du Square Palace de régir tout ça. Tout simplement. Donc bon, d'autant plus qu'il n'y a pas de pub, donc les pauses, techniquement, ça sert à rien. Donc voilà, donc. Enfin, les coupures de stream, je veux dire, servent à rien. Les coupures de 5 minutes servent à rien. Donc c'est vraiment. Ouais, la vidéo de 4h53, ça doit être moi sur Legend of Mana. Oui, c'est ça. Voilà, bon, forcément, il y a un moment où je pète des câbles sur Legend of Mana, forcément, j'ai fait des lives de 4h53. D'ailleurs, c'était peut-être pas Legend of Mana, c'était sûrement Seiken 3. voilà, pour être exact, la première faisait 4h53. Faut être motivé quand même. Pour être exact, la première faisait. Ouais, c'était du Seiken ça. le transfert échoue à chaque fois, et voilà. Mais donc forcément, si moi je peux me permettre, si moi je le fais, il n'y a pas de souci, je m'en fiche. C'est, voilà, faut juste me le dire et je le fais. Voilà, c'est pas un problème. Donc voilà. Donc en tout cas, j'en reparlerai avec il a pas moi de mon côté. Je vais lui envoyer un message maintenant et je vous dis à la prochaine en tout cas sur le live. Alors voilà, on va faire quoi? On va faire une petite sauvegarde, hop, ici comme ça sur le jeu, hop. Ouais, voilà, histoire d'être sûr, hein. Ouais. On fait une save state, deux save state, voilà, road state 1, 2, 3, 4, et comme ça je suis tranquille, et on se dit à la